Bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Le micro fonctionne bien. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale pour cette rencontre Naissance industrielle à Paris. Bonne année d'abord. On est content de se revoir en présentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont également, beaucoup de personnes qui vont se connecter, mais la salle est pleine et ça me fait vraiment un grand plaisir. Alors un mot peut-être, Anaïs Voigilis va vous présenter un peu la demi-journée, un mot de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et pourquoi on a été amené à monter ce cycle Renaissance industrielle. Alors on va poser la question, la Société d'encouragement, elle a été créée en 1801, pas en 1901, en 1801. Et c'était une société, c'est-à-dire que chacun prenait une action. Donc c'est Bonaparte qui a été l'initiative. Alors Bonaparte a pris une action, Chaptal a pris une action, Lafayette aussi. Bon, un certain nombre de personnes, de politiques, de fonctionnaires, de scientifiques, de chefs d'entreprise, se sont dit il faut faire quelque chose, il se passe quelque chose avec l'industrie. Il n'y avait pas encore d'industrie à l'époque. L'agriculture, c'était 99%, 90% de l'activité, et puis il y avait quelques financiers, des commerçants, et il n'y avait pas encore d'industrie. Et l'Angleterre avait, 50 ans avant, pris un peu d'avance sur le sujet. Donc on a copié les Anglais et on s'est dit, il faut qu'on monte un endroit où on va parler d'innovation, il faut encourager les innovateurs, il faut encourager les entrepreneurs, il faut qu'un lien se passe entre les deux. Ça c'est la première intuition, et c'est vraiment une intuition d'intelligence économique, d'intelligence collective. La deuxième intuition, c'est que en fait, le premier président était Chaptal, et Chaptal était ministre de l'Intérieur, du Commerce et de l'Industrie de Bonaparte et de Napoléon, surtout de Bonaparte. Et donc c'est lui qui a créé les préfets. C'est à cette époque-là également qu'ont été créées les chambres de commerce. Et l'intuition qu'il a eue, c'est de dire, l'industrie, elle ne va pas se passer à Paris. Elle va se passer dans les territoires, elle va se passer dans les régions, dans les métropoles. Voilà. Et donc, et comme il a créé les préfets, il a demandé à tous les préfets d'adhérer et de créer des sociétés d'encouragement également en région, dans les départements. Voilà. En se disant que ce n'est pas à Paris que ça va se faire, c'est dans les territoires. Et donc, moi, j'ai eu une carrière où je me suis trouvé au ministère de l'Industrie dans les années 90, au moment justement où ça commençait à tanguer, où on entendait le discours, finalement c'est pas si mal de délocaliser, ça permettra d'avoir des coûts moins élevés, et donc des prix moins élevés pour le consommateur, et on peut imaginer une France sans usine. On peut imaginer une France uniquement avec des touristes, avec du commerce, etc. Voilà. Et il y a eu... Les gens y ont cru, hein. Même des hauts fonctionnaires, même des grands patrons d'industrie qui se sont dit, voilà, allons en Chine, allons au Maroc, allons en Tunisie, et laissons tomber l'industrie. Bon. Alors que d'autres pays, comme l'Allemagne, comme l'Italie également, ont maintenu une industrie. On est passé de 23% du PIB industrie dans les années 90, à moins de 10% aujourd'hui. Alors que l'Allemagne a maintenu 25% de son PIB industrie, alors que l'Italie doit être à 17-18. Donc on a commis, je pense, une erreur stratégique. Et je pense que c'est... On s'est rendu compte... Alors, l'erreur dans les territoires, il la connaissait. Hein, il y a des territoires qui se sont vidés de toute activité économique. Mais à Paris, il ne la connaissait pas, ou pas bien. Il s'en accommodait. Parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup d'industrie, donc ce n'est pas le problème. On les a remplacés par l'hôtel-restauration et puis par le tourisme et la culture. Mais dans les territoires, c'est autre chose. Donc, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple et qu'on manquait de masques, qu'on manquait de... Voilà, et qu'il pouvait y avoir un intérêt à une souveraineté industrielle, qu'elle soit française ou européenne, et à de nouveau avoir des usines en France. Donc on s'est dit à la Société d'encouragement, il faut qu'on monte un programme
renaissance industrielle. On était à la naissance de l'industrie. 220 ans après, on peut imaginer une renaissance industrielle. On est à la troisième, quatrième révolution industrielle, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et la deuxième intuition qu'on a eue, c'est de se dire, on ne va pas rester à Paris. On va aller en région. On va aller voir les écosystèmes. Il faut qu'il y ait une envie dans les territoires pour que ça se passe. Et là, ça a été la surprise, parce qu'on n'était pas, encore une fois, on est bien place Saint-Germain-des-Prés, aller à Mulhouse, à Lyon, on n'a pas forcément des attaches sur place. On a pris contact avec les chefs d'entreprise sur place, on a pris contact avec les présidents de région, avec les présidents de métropole, avec les chambres de commerce, avec les ETI, avec les universités. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable appétence. Donc on a monté, on est allé dans une ruche industrielle à Vénissieux, à Lyon, on est allé au salon de l'industrie à Toulouse, on est allé dans une société industrielle de Mulhouse qui avait été créée en 1814 sur le modèle de la société d'encouragement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant de monde, si ce n'est plus qu'à Paris. Les gens, ils nous attendent et quand on y est allé, ils étaient ravis et ils nous disent quand est-ce que vous revenez ? On veut vous voir tous les ans. Alors, imaginez, il y a quand même plus que 12 régions. Ça nous oblige sans doute à faire deux déplacements par mois en région. Mais cela dit, on aime bien également être à Paris. Et puis, on est également en relation avec les opérateurs, entre guillemets parisiens, nationaux. Moi, je reste... je pense que c'est un équilibre entre, à la fois, on a besoin de l'Europe... Donc on a besoin d'avoir des relations avec l'Europe parce que l'Europe industrielle, elle doit exister, il doit y avoir une souveraineté industrielle européenne. On a besoin d'avoir des relations avec l'État. Moi j'ai besoin d'un ministère de l'Industrie fort en relation avec le ministère de la Recherche. On a besoin des relations avec les opérateurs. Et moi je salue les opérateurs publics qui nous soutiennent, en particulier la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est le bras armé de la Caisse des dépôts sur le développement industriel dans les territoires. Et je salue François Glouvac qui s'occupe des territoires d'industrie. Donc concrètement, on crée de nouveaux territoires d'industrie. Donc c'est concret. C'est pas à Paris que ça se passe uniquement. Je salue également la BPI, Banque publique d'investissement. Alors, certains disent qu'on était un peu l'ancêtre de la BPI au début du 19e, mais heureusement... On n'a pas les moyens de la BPI, donc heureusement qu'il y a la BPI qui est là et qui est également présente dans les territoires. Je salue également les associations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la première association, sans doute pas, parce qu'on est une société, on n'a pas changé de statut, mais on est la première fondation d'utilité publique. Le statut a été inventé pour nous en 1824. Avant même que le statut d'association soit créé, pour dire si jamais on vous aide, vous avez la possibilité de nous aider également et d'aider la société d'encouragement en défiscalisant vos dons. C'est quand même sous Louis XVIII. Voilà. Donc on a également des sociétés qui nous soutiennent. Je remercie Quero Capital, des financiers qui investissent dans la révolution industrielle des transitions et qui nous aident à organiser ces manifestations. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce que c'est Anaïs qui va vous présenter, qui est notre déléguée renaissance industrielle. Elle est venue soutenir sa thèse il y a quelques années ici. Elle a fait une thèse de géographie industrielle et d'économie industrielle sur justement l'industrie dans les territoires. Et c'est elle qui va vous présenter cette belle journée. On est vraiment ravis et je remercie vraiment tous les intervenants. Ça va être passionnant. Merci Léonore Londo également d'être là. Merci. Stéphanie Goujon, qui a été faite chevalier de la Légion d'honneur. Son travail, French Impact, donc vraiment, l'année commence bien pour toi et pour nous avec toi. Anaïs, est-ce que je peux passer la parole ? Entre deux zooms. Voilà, applaudissez Anaïs parce que voilà, elle est venue spécialement de loin. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer, puisque j'ai une fâcheuse tendance, c'est devoir être le gardien des horloges et donc être un peu obsessionnel sur le respect du temps.
Avant de commencer, je vais faire un petit rappel d'usage fortement désagréable, mais très d'actualité. Je vous demanderai tous... Alors, ça m'embête d'enlever le masque, mais par contre, je vais faire un rappel, c'est que je vous demanderai de tous très bien porter le masque. Donc un masque, comme dirait un très bon contrôleur de la SNCF, c'est sur le nez et, sous le et au menton. Pas de non-respect de masque, pas dans le retrait de masque de manière imprévue si nous voulons que ce type d'événement continue à avoir lieu. Maintenant que j'ai fait les rappels d'usage, l'événement qui nous occupe aujourd'hui, donc vous savez, c'est le cycle Renaissance industrielle. Ce cycle, on l'a commencé en septembre 2020 avec une croyance très forte ici au sein de la maison de l'industrie. C'était que la Renaissance industrielle était non seulement une possibilité, mais qu'on allait en faire une réalité en s'inspirant des meilleurs cas d'usage, des cas concrets qu'on essaye de valoriser au cours de différents événements. Donc on a consacré chaque événement du cycle, et notamment aussi des étapes en région, à des éléments clés de ce qu'on considère comme facteurs permettant à la renaissance industrielle. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la question du financement, puisque c'est un sujet qui devient de manière récurrente quand on parle d'industrie. C'est la difficulté des entreprises industrielles aux différentes étapes de leur vie à accéder à un financement. Et donc nous aurons deux tables rondes. Excusez-moi, la rentrée est vraiment très difficile. C'est une première table ronde sur comment on met les acteurs du financement au service de la renaissance industrielle, et de préférence pour avoir une renaissance industrielle durable et avec un impact positif sur les territoires. Et le deuxième temps sera animé par Éléonore Blondeau, cofondatrice et présidente du collectif des start-up industrielles. Bonjour Éléonore. Sur le rôle des start-up industrielles pour créer de l'impact dans les territoires et surtout comment on finance ces start-up à différentes étapes de leur vie. Nous aurons également un temps fort avec un grand témoin qui s'appelle Benjamin Saada, qui est fondateur et le CEO de Fermat et également cofondateur président d'Explicit et également des lauréats du prix Montgolfier. Donc sans plus attendre, je vais appeler les intervenants de la première table ronde que j'ai le plaisir d'animer, à savoir Nicolas Payancy, le CEO de Metal Additive Technology, Damien Pi, le CEO de Dantec, qui est venu sans Bob le lave-vaisselle, et j'en suis un peu triste. Arnaud Marion, du Fonds entrepreneurial territorial de transformation en Hauts-de-France et fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Bonjour à tous. Prenez place. Lourde tâche que de modérer une table ronde. Je propose de commencer en m'adressant à Damien. Damien qui revient du CES, peut-être pour nous parler de pourquoi il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, notamment en voulant relocaliser la production de la vaisselle sur le territoire national, qui s'intéressait à l'industrie, à une époque où finalement l'industrie c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anaïs. Merci pour l'organisation et l'invitation à cette table ronde. Donc effectivement, je reviens des États-Unis où je lançais même Bob sur le marché américain cette semaine. Nous, on a commencé l'aventure Dantec en 2016. Et en fait, cette aventure-là, c'est avant tout le fruit d'une volonté forte, celle de prouver que c'est possible de fabriquer en France des produits grand public de haute qualité, à un prix abordable. Et tous les mots là-dedans sont importants. En fait. C'est-à-dire que nous, notre mission, enfin Bob le lave-vaisselle, c'est un premier produit, et on a lancé ça parce que c'était techniquement intéressant, c'était un marché niche, c'était novateur, voilà, on pouvait innover et tout, et techniquement, moi-même étant ingénieur, je trouvais ça intéressant, mais notre volonté, c'était prouver que c'était possible de faire ça. Et donc nous, en 6 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le produit, on l'a industrialisé, on l'a commercialisé en novembre 2020, et c'était un succès à la fois industriel et commercial, puisque depuis novembre 2020, on a fabriqué et vendu pas moins de 40 000 bobs, et là, depuis la première semaine de janvier, on en a vendu 1 000, donc on commence très bien l'année 2022, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et pourquoi tu t'es tourné vers l'industrie, pardon ? Pardon ? Pourquoi cette tournée vers l'industrie ? Alors pourquoi cette tournée vers l'industrie ? En fait, par conviction, ce que je disais, parce que je voulais prouver qu'on pouvait... Alors, en fait,
pour reprendre les choses depuis le début, moi j'ai moins de 30 ans et en fait je suis un peu de la génération made in China, c'est-à-dire que j'ai grandi qu'avec des produits importés. Et ben en fait, je sais pas, je voyais dans les films ou même parfois sur les brocantes ou quoi, qu'il y avait une époque lointaine à laquelle on fabriquait encore des choses en France. Enfin, je sais pas, je me souviens, j'avais vu des commutateurs made in France qui devaient dater des années 50. Enfin voilà, à une époque, on fabriquait tout en France. Et en fait, moi, ma volonté, c'était se dire qu'on peut prouver au monde qu'en France, on fait pas que du vin et du fromage. Je sais que cette formule choque beaucoup les gens, mais en fait, si vous voulez, quand je me suis lancé à l'époque, il y avait tout ce qui était industrie de pointe, qui était très sexy, on va dire, donc voilà, tout ce qui va être haute technologie, type semi-conducteur, l'aéronautique et tout, et puis en parallèle, tout ce qui va être artisanat, donc le vin et le fromage, et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose, en fait, c'était soit le jeu des États-Unis, soit le jeu de la Chine, mais il y a peu d'entreprises qui se disaient, on va faire des produits grand public, et nous, on voulait prouver qu'il y avait quelque chose à faire sur ce créneau-là, et c'est pour ça qu'on a lancé Dentech. En fait, c'est plus par conviction que par produit, et après, en fait, il se trouve historiquement que c'est mon associé qui a eu l'idée du petit lave-vaisselle Bob et il m'a dit, Damien, j'aimerais lancer ce produit, qu'est-ce que t'en penses, t'es ingénieur, ça va pas être trop compliqué pour toi, et de fil en aiguille, j'ai dit oui et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis retrouvé 6 ans plus tard à la tête d'une petite entreprise d'une cinquantaine de personnes qui fabrique des lave-vaisselle. Merci beaucoup, je vais me tourner vers Nicolas Payancy, peut-être pour revenir sur aussi votre parcours, comment vous en êtes amené à reprendre l'entreprise que vous avez actuellement, et puis je crois que vous avez rencontré un certain nombre de difficultés avant d'arriver à ce projet industriel qui s'avère être une réussite. Oui, alors moi je commencerai par mon goût pour l'industrie. On a évoqué en introduction des enjeux stratégiques, etc., etc. Moi c'est un goût qui est un peu viscéral et qui est, j'allais dire, avant tout social. Je ne connais pas d'autre environnement professionnel où se croisent à la fois des gens qui parlent à peine français, qui ne savent pas lire, etc., et puis des docteurs qui viennent expliquer qu'ils ont conçu un truc et c'est le gars qui ne sait pas lire qui va devoir l'exécuter, etc. Moi, je trouve ça fascinant, d'autant plus fascinant qu'à la sortie, il y a un produit, il y a quelque chose qu'on a fabriqué, on a transformé de la matière, et donc, en passage, on ne se raconte pas d'histoire, parce qu'on peut faire plein de tableaux Excel, etc., une unité de production, elle doit fabriquer une quantité donnée à un coût donné, on peut faire tous les raisonnements qu'on veut, à la fin, tout le monde est d'accord peut être d'accord, en tout cas, sur l'appréciation de ces deux faits. Donc, voilà moi mon goût pour l'industrie. Alors, j'ai commencé dans les grands groupes et j'ai vécu ce que Damien explique, mais sauf que je suis un tout petit peu plus âgé, donc moi j'ai vu la fuite. Je vous donne un exemple, j'ai travaillé dans un grand groupe automobile, dans une usine qui était réputée l'usine la plus productive du groupe. Et on venait régulièrement nous féliciter, nous mettre des trucs, etc. Cette usine, elle était à Aulnay-sous-Bois, voilà, et moi je suis parti 2 ans avant que ça ferme, mais on commençait déjà à sentir une espèce d'hypocrisie entre ce qu'on racontait aux gens et ce qu'on demandait à nous. Moi j'étais à l'époque cadre intermédiaire, j'étais débutant ou quasiment, et puis ce qui se préparait au-dessus, selon des convictions un peu hallucinantes, puisque le coût de revient d'une automobile, il y a seulement 8% qui est du coût de main-d'œuvre, donc c'est pas le prix de la main-d'œuvre qui est en jeu. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu ensuite le monde aéronautique, en particulier chez un équipementier qui est une pépite, le Premier ministre s'y est même rendu récemment, à Figeac. C'est un fleuron de l'industrie française. C'est peut-être un fleuron, mais elle a été rachetée par un groupe américain. Voilà. J'y ai passé quelques années et ce groupe m'a proposé à un moment donné de diriger un équipementier dans leur groupe. Et j'ai pris goût à la direction d'entreprise et je me suis dit maintenant je vais le faire en vrai et je vais me lancer dans le monde des PME. Je vous passe les étapes, mais j'ai découvert assez vite une filière industrielle. Moi je suis plutôt mécanicien. Une filière qui consiste à dire quand on fait un produit métallique, alors j'ai pris des exemples pour illustrer. Quand on fait un produit métallique, on part de ce semi-fini, hein, on part d'un barreau comme ça, et puis on fabrique un produit qui est, par exemple, ici vous avez un écrou, c'est basique, mais vous voyez l'enjeu matière et énergie pour passer de ça à ça. Il y a quand même, alors évidemment on peut en faire plusieurs dans la hauteur, mais par contre on enlève beaucoup pour faire le trou, les facettes, etc. Il se trouve que là aussi, naufrage de l'industrie française, dans les années 90 il y avait un grand groupe qui avait découvert qu'on pouvait faire autrement en partant de ça, en partant de la poudre et en étant capable d'agglomérer cette poudre pour en faire un produit parfaitement dense. Ce grand groupe, il s'appelait Vallourec. Il a depuis connu l'histoire que vous connaissez peut-être. Et moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer l'un des dirigeants de Vallourec qui m'explique cette histoire et qui me dit on essaye de monter un projet autour de ça, etc. Il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, je suis le dirigeant de Métal Additif Technologique, j'ai fondé.
au travers de laquelle j'ai repris les brevets qui avaient été déposés par un inventeur suédois. Et cette technologie, nous sommes en train de l'introduire au travers d'une société de mécanique que nous avons reprise sur le plateau de Saclay en début d'année dernière. Merci beaucoup. Arnaud, Marion, vous avez participé à, j'ai oublié le nom, mais à un certain nombre de projets de transformation d'entreprise. Et justement, quand on parle, avant de rentrer plus dans le détail sur la question du financement, quand on parle de réindustrialisation aujourd'hui, on parle beaucoup de cette idée de devoir transformer les entreprises, de revoir finalement de faute en comble le business model. Enfin, on entend tout et son contraire parfois. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard par rapport à toute l'expérience que vous avez? Je crois que vous avez écrit aussi quelques livres sur le sujet et j'engage nos auditeurs à aller les découvrir s'ils veulent en savoir plus aussi sur la méthodologie peut-être. Merci, oui, effectivement, il y a deux livres, un qui s'appelle « Partout, je passe les mêmes erreurs » chez Erol, et le deuxième qui s'appelle 21 semaines pour se relever de la crise, où je donne une méthodologie en fait de transformation. Alors moi j'ai appris la transformation, j'ai un passé de gestionnaire de crise, de redresseur d'entreprise, et c'est dans les crises que j'ai appris à transformer, parce que quand on veut donner de la pérennité à une entreprise, si, comment dirais-je, on fait la même chose qu'avant, on va de la même façon dans le mur. Donc du coup, l'idée de la pérennité d'un redressement d'entreprise passe par la pérennité d'un modèle économique. Donc effectivement, la transformation, alors on l'a un petit peu à toutes les sauces. D'ailleurs, on l'entendait jusqu'à présent davantage comme la transformation digitale des entreprises, ce qui est vrai, ce qui est un des pans. Moi, j'en donne une vision un peu différente. D'abord, pour qu'il y ait transformation d'un modèle économique, il faut qu'il y ait une vision d'entrepreneur. Je crois qu'on vient d'avoir un très bon exemple. Il y avait une vision à part de Dantec, et à un moment, ils ont effectivement décidé d'implémenter quelque chose. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une vision sur le monde, d'avoir une vision sur un marché, d'avoir une vision par rapport à ses concurrents, et donc le développement d'une singularité. Donc la transformation d'un modèle économique, quel qu'il soit, et aussi ancien soit-il, va consister à lui apporter de la pérennité. Et pour ce faire, c'est-à-dire, alors la pérennité, on voit bien depuis 2 ans que c'est important, que la résilience, le mot est devenu un petit peu à la mode, la résilience est à la mode. Alors on confond souvent robustesse, résilience, anti-fragilité, mais l'idée c'est que quoi qu'il se passe et quel que soit le choc, l'entreprise puisse s'en remettre. Le stade ultime, celui de Nassim Nicolas Taleb, c'est l'anti-fragilité, c'est-à-dire je suis confronté à un choc et je vais m'améliorer, à la façon des anticorps dans un corps humain quand on est confronté à des virus. Donc la transformation des modèles économiques, elle va se jouer, en fait c'est une approche globale qui va jouer, il y a 4 dimensions. Souvent on croit que la transformation se résume à la performance des entreprises, donc à la profitabilité ou à sa rentabilité. En fait c'est un des pans, c'est le pan le plus communément admis. Mais ce qui est important aussi, c'est un deuxième pan qui est l'allocation des ressources. Tout à l'heure, en introduction, le président Mousson a dit, on a vu à la faveur de la crise qu'effectivement, quand on dépendait de l'étranger, quand on n'avait plus l'industrie sur le territoire national, à un moment, on avait une fragilité et on pouvait éventuellement ne pas continuer à produire ou à exploiter son entreprise. Donc c'est cette notion de chaîne de valeur qui est extrêmement importante avec, en plus, une chaîne de valeur qui est en train de s'étendre en amont parce qu'il y a des sujets de souveraineté, il y a des sujets de dépendance de pays, et puis en aval, puisqu'il y a une tendance naturelle actuelle à l'intermédiation, finalement, des modèles économiques par d'autres, par des plateformes, que ce soit Pay by Phone pour payer son taxi, son parking pardon, en bas, ou que ce soit Amazon ou Cdiscount pour vendre vos produits. Et puis, il y a une couche très importante. Alors, on parlait de transformation digitale, numérique, mais je crois que c'est l'innovation. C'est-à-dire, la meilleure assurance vie de l'entreprise, c'est l'innovation dans laquelle on peut mettre le digital, mais dans laquelle on va mettre également l'expérience client, donc tout ce qui est ce qu'on appelle le go-to-market, le fait d'aller adresser un marché. Donc, cette vision, c'est effectivement une vision de quelque chose et une vision de ces marchés pertinents sur lesquels on va être. Et ce qui va permettre, donc c'est un peu une approche de design thinking, et puis il y a un dernier pan, une dernière dimension, mais qui est fondamentale, c'est bien évidemment ce que moi j'appelle les grands enjeux contemporains. Alors le climat, bien évidemment, le partage de la valeur, tous ces enjeux, le dialogue social,
tous ces genres de jeux absolument transversaux qui font et qui doivent infuser, irriguer. Je prends le mot du PDG de SEB, Thierry de la Tour d'Arthez, qui a dit dans son webcast de l'arrêté de ses comptes annuels, chez nous, la RSE irrigue à tous les stades de l'entreprise dès l'innovation. Et je crois que c'est effectivement ça, c'est-à-dire un design inclusif, s'adresser aux gauchers, s'adresser aux personnes âgées, c'est déjà ça. Donc la transformation, ça va être ce millefeuille en quatre dimensions que l'on va appliquer à un modèle économique pour transformer ce modèle et faire en sorte qu'effectivement ce modèle puisse être pérenne. Donc en fait, c'est comment on passe d'une vision à une transformation d'un modèle. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Mortelier. Quelle est votre vision, à vous, du renouveau de l'industrie en France et un peu de tous ces enjeux de transformation dont on parle ? Alors, peut-être pour rappeler ce que l'on fait chez BPI France, on l'a rappelé tout à l'heure, on est très ancré dans les territoires avec 52 implantations et on est l'un des gros acteurs de financement de l'industrie traditionnelle. D'un côté, c'est près de 20 milliards tous les ans, 20 milliards d'euros qu'on injecte dans l'industrie et en parallèle, un gros acteur de la French Tech. Ce qui nous met dans une position où on voit très clairement une évolution depuis, je pense qu'on peut le situer au tournant des années 2010, ou à la faveur d'une évolution d'abord de prise de conscience sociétale de l'importance de l'industrie, qu'on rappelait tout à l'heure dans l'introduction, et puis aussi de façon quasiment indépendante des différents gouvernements, d'une reprise en main politique des enjeux de financement de cette industrie, avec une baisse des charges sur l'industrie qui a permis de remettre des conditions favorables à la réindustrialisation française, et puis différents programmes, je pense au plan d'investissement d'avenir, et puis en novembre dernier le président de la République a annoncé le plan France 2030, c'est 30 milliards qui vont aller sur l'industrie, avec soit des verticales hydrogène, nucléaire et autres, mais la promesse que la moitié de ces 30 milliards vont aller à des acteurs émergents, c'est-à-dire ces 15 milliards qui vont aller vers des acteurs émergents que sont les start-up, les PME et les ETI. Donc une vraie volonté pour aller relancer les dispositifs et le développement de nouveaux projets industriels. Et en parallèle, à la faveur notamment de la crise, mais je pense que la crise a été un accélérateur là-dessus, une prise de conscience du consommateur de l'importance de produire en France. Par rapport à ça, ce que l'on voit aussi naître, de plus en plus, ces deux facteurs, sur ces deux verticales, la verticale mature et la verticale, on va dire, start-up. D'un côté, de plus en plus de start-up industrielles. On a fait un décompte sur l'année 2021. C'est près de 1600 projets de start-up industrielles qu'on a pu identifier, dont plus de 600 avaient levé plus d'un million d'euros. Donc ça veut dire qu'on est en train de massifier ce nombre de projets. C'est en train de monter. Et puis, on voit quelques exemples, mais qui sont le sommet, on va dire, de la pyramide d'un mouvement qui est beaucoup plus large, qui sont les usines qu'on commence à recréer avec l'INSECT, Alidia et autres. Et en parallèle, on voit que les industriels, c'est-à-dire les PME et les ETI dans les territoires, commencent aussi à s'inscrire dans des nouveaux mouvements d'innovation, même si aujourd'hui, on n'a pas totalement craqué ce qu'on décrivait tout à l'heure, ces enjeux de pivot, de renforcement de l'innovation et de la politique d'innovation, c'est-à-dire de l'innovation qui est plus simplement de l'innovation incrémentale de process, mais de l'innovation profondément de rupture, qui peut être la rupture technologique ou qui peut être la rupture d'usage, en fait. Fondamentalement, la rupture d'usage a au moins autant de valeur que la rupture technologique pour aller adresser et servir une clientèle de façon différente. Donc on est persuadé que ce mouvement, les conditions sont favorables depuis le tournant des années 2010 et ça s'est amélioré. Et puis, et surtout, on commence à voir émerger de nouveaux projets qui demandent à être financés, qui demandent à être accompagnés de façon de plus en plus intense sur les prochaines années. Merci beaucoup. Damien, Nicolas, est-ce que vous retrouvez dans ces discours sur la transformation par rapport à vos expériences, peut-être à des stades un peu de maturité différentes aujourd'hui ? Transformation, c'est-à-dire, je peut-être peux rebondir sur la partie financement directement ? Si vous voulez. Ok. Alors, nous, en fait, c'est vrai qu'on a travaillé dès l'origine avec BPI. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai rencontré mon associé à la BPI. À l'époque, j'étais à la direction de l'innovation sur les objets connectés. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis devenu entrepreneur. C'est parce qu'en fait, j'étais du côté banque et je voyais plein de projets. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient perfectibles. Et ça me titillait de faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé du côté entrepreneur. Et on va dire que côté transformation et tout, enfin, quelque chose qui manque beaucoup en France et peut-être moins aux États-Unis, si explique la différence de succès, c'est qu'en fait, en France, on réfléchit beaucoup, on écrit beaucoup de bouquins, on fait beaucoup de discours, on publie beaucoup d'articles, mais derrière, concrètement, ça parle beaucoup, mais ça concrétise moins. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, par exemple, la façon dont on raisonne les Américains, c'est qu'avoir une approche beaucoup plus terre-à-terre
et au-delà des modèles économiques et tout, surtout chercher à avoir des clients. Moi, ce que je dis depuis toujours, depuis le début, c'est que le premier financement d'une entreprise saine, c'est ses clients. Et c'est ça qui nous a permis de nous lancer. Le 8 octobre 2018, on avait fait une campagne de précommande sur le lave-vaisselle Bob, qui avait été un réel succès, puisqu'on avait vendu 6 000 en précommande à 199 €. Donc on a encaissé 1,2 million d'euros d'acompte client. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis d'amorcer la pompe, puisque derrière, on a pu aller voir les banques, la BPI, des investisseurs, et puis industrialiser le produit. S'il y a quelque chose que je peux faire remonter en toute humilité, c'est le problème de l'œuf et de la poule des capitaux propres. C'est-à-dire que la BPI peut intervenir en dette en 1 pour 1, en fait 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé, mais en fait ce qui va poser problème, d'ailleurs comme avec les banques classiques, c'est le ratio de dette sur capitaux propres, ce qui signifie qu'en fait vous devez injecter de l'argent au départ dans l'entreprise pour pouvoir avoir du financement supplémentaire. Et c'est là que le bât blesse, parce que généralement tant que le produit n'est pas sur le marché, il n'y a personne qui veut financer. Enfin, nous, on l'a vécu, on avait 1,2 million d'euros sur le compte et on nous disait c'est pas sûr qu'il y ait de l'attraction, ça a peut-être juste fait du buzz, ça ne marchera pas forcément, etc. Et même là, avec ces précommandes, ça a pris quand même un certain temps d'arriver à augmenter nos capitaux propres. Mais sinon, la BPI nous a toujours soutenus et on la remercie sincèrement. Nicolas ? Donc moi, je l'ai évoqué, il y a à la fois cette notion d'innovation technologique et puis la reprise d'une entreprise. Donc le projet, il est en deux étapes. On reprend cette entreprise qui n'était pas en très grande forme et on la transforme avec l'ajout de la technologie qui, cette société, va devenir notre plateforme industrielle. Les deux étapes sont importantes parce qu'en fait, le financement n'est pas du tout le même. La partie reprise d'une PME, qui en plus, au sortir de la crise de 2020, il y avait aussi des petites problématiques managériales, etc., ça n'intéressait personne. Et les seules personnes que je suis arrivé à mobiliser sont, je dirais, des business angels, des gens qui connaissent vraiment de près le monde de l'entreprise et qui étaient prêts à prendre le risque à mes côtés. Certains sont là, d'ailleurs, je les salue, et qui ont cru à l'histoire que j'étais en train d'écrire. Ceux qui ont cru aussi, ce sont les cédants. Parce que leur société était, entre guillemets, en difficulté, ou pas loin de l'être. Et évidemment, c'est la société dans laquelle ils travaillaient depuis 20 ans, pour laquelle ils se défonçaient tous les jours. Donc c'est compliqué d'aller expliquer à ces gens-là, votre société, écoutez, elle est magnifique, mais vu les résultats et vu la dette, elle ne vaut rien. Dans ce cas-là, on arrête tout de suite la discussion. Et pourtant, c'était la réalité financière. Donc comment on a fait ? On s'est mis d'accord sur une valeur qui était supérieure à celle de l'instant T, mais qu'on ne leur paye pas tout de suite, qu'on leur paye en action de Metal Additive Technology, et qui font qu'ils rejoignent, ils sont à nos côtés, en fait, pour délivrer le projet qu'on a imaginé ensemble et qu'on va réussir. Dès la signature... Bon, d'une part, on s'est retroussé les manches. C'était un collectif de cadres qui était à la tête de la société. Ils sont à mes côtés aujourd'hui et ils sont à différents rouages de la société. D'une part, on s'est retroussé les manches pour redresser la société. On est revenu avec une situation de capitaux propres beaucoup plus confortable, des bénéfices, etc., sur l'année 2021. Et en parallèle, on prend contact avec le plan de relance, avec les banques, etc. Et là, alors que ces mêmes acteurs, au moment où j'expliquais la vision, regarder poliment, trouver des prétextes en gros pour pas me répondre, là d'un seul coup, tout se débloque. Et parce qu'effectivement, ils se disent finalement, il y a une société qui existe, qui a déjà une certaine antériorité, qui a en plus cette vision, cette transformation qu'on évoquait. Là, c'est un projet pour lequel aujourd'hui, il existe des dispositifs pour leur permettre de se concrétiser et de réussir. Est-ce que ça vous évoque une réaction, M. Morin? C'est un peu fatigant d'enlever, ça demande un peu d'agilité. Exactement, de le faire surtout de la main gauche quand on est droitier. En fait, le sujet du financement, c'est toujours un sujet de critères de beauté. Donc par rapport à ça, moi j'ai eu l'idée, je suis parti du principe après avoir... travailler sur des centaines de dossiers, un peu plus de 300 dossiers sur lesquels j'ai travaillé et près d'une cinquantaine de mandats de direction générale. Et j'ai voulu en acter en me disant qu'il fallait créer, des modes de financement différents. Et c'est comme ça que je suis allé rencontrer dans les Hauts-de-France, parce que je pensais qu'il ne fallait pas le faire au niveau national, mais au niveau régional, et je suis ravi de l'introduction qu'il y a eu tout à l'heure, parce que c'est la bonne granularité sur un territoire, et il y a la Banque des Territoires qui est là,
et qui ne m'apportera pas la contradiction sur ce sujet. Donc je suis allé dans les Hauts-de-France et je suis allé rencontrer Entreprises et Cités, Jean-Pierre Le Tartre, qui est à la tête d'Entreprises et Cités, qui est une sorte de campus qui regroupe plus de 4000 entreprises dans les Hauts-de-France, hein, qui était à la base le lobby des entreprises non textiles au 19e siècle, et puis qui est devenu un peu cette assemblée de toutes les entreprises. Et je leur ai dit, il faut qu'on monte un fonds d'un type nouveau, qui soit un fonds de capital transformation, un fonds activiste régional. Pourquoi ? Parce que, un, il faut développer l'employabilité sur un territoire, donc plus on développe l'employabilité, plus les entreprises ont intérêt à ce maillage industriel et à s'y développer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut permettre aux entreprises qui croissent, et Dieu sait s'il y en a dans les Hauts-de-France, et il y en a dans d'autres régions bien évidemment, de maintenir leur centre de décision sur le territoire, et je pense que c'est quelque chose de très important comme vision des territoires. Et donc du coup, on a marié, je dirais, l'expertise d'Entreprises et Cités et de leur société de gestion qui s'appelle IRD Gestion, et la mienne sur la transformation pour créer le FE2T, qui est un fonds entrepreneurial territorial de transformation. Là aussi, tous les mots ont une signification. C'est un fonds d'entrepreneurs, donc en fait, on a, avant d'aller voir des investisseurs financiers, on a commencé par aller voir des entrepreneurs, et c'est un fonds qui aujourd'hui est majoritairement détenu par des entrepreneurs, des grandes familles du Nord. On a une quinzaine d'entrepreneurs, on a des grandes familles très prestigieuses et qui ont mis des sommes assez importantes. C'est un fonds dont l'objectif final est de 100 millions d'euros. Et l'idée, c'est ce qui est important, c'est à la fois de financer, mais c'est d'aider dans le processus de transformation, c'est-à-dire qu'on accompagne dans la transformation. L'idée, c'est on ne cherche pas les critères de beauté, c'est pas ça qu'on va chercher. La dégradation des critères de beauté, hein, je l'exprime comme ça volontairement, est un fait et est intégré, c'est un postulat et c'est intégré dans l'ADN du fonds. Ce qui nous importe, c'est de passer d'un point A à un point B et de financer ce passage d'un point A à un point B. Et je pense que tout le monde ici et tous les connaisseurs savent que c'est ça qui est souvent compliqué à financer. Donc l'idée, c'est le fonds amène de l'argent et moi j'apporte mon expertise dans la transformation aux côtés des entrepreneurs en amont pour analyser avec eux ce que je vois comme levier de la transformation et pour bâtir avec l'entrepreneur une feuille de route de transformation et tout au long de la vie de l'investissement pour accompagner l'entrepreneur avec le niveau le plus adapté autour du comité de direction, comité exécutif, pour faire en sorte que cette feuille de transformation puisse vivre, puisse être respectée et qu'on puisse atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc c'est un fonds qui est très entrepreneurial parce qu'on est au service des entrepreneurs. Et on a considéré que c'était certainement l'outil le plus agile, en fait, pour aider ces entreprises à se développer et finalement à se pérenniser, à transformer leur modèle économique. Merci beaucoup. Et juste une petite question, vous intervenez à titre majoritaire ou en minoritaire ? Il y a zéro tabou, voilà. C'est plutôt minoritaire, ça dépendra de la taille des entreprises, mais ça peut être majoritaire sans aucun problème. Et des entreprises industrielles aussi. Pardon ? Et des entreprises industrielles également. Ah oui, on est dans un secteur où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises industrielles. Et une vraie culture industrielle, et merci de le rappeler, c'est que bien évidemment, il y a un autre niveau, c'est un triptyque. Les entrepreneurs, la société de gestion, IRD Gestion, et moi-même, à travers l'IHEGC, hein, qui est l'école que j'ai créée pour former les dirigeants à la gestion des crises et des transformations. Mais les entrepreneurs sont impliqués en tant que mentors, en fonction des investissements. C'est-à-dire que si on a besoin de telle ou telle expertise de l'un de nos entrepreneurs, il s'est engagé à se rendre disponible. Je vais vous citer une petite anecdote. C'est qu'on avait interrogé des entrepreneurs de très haut niveau. On a des gens comme Octave Klabat ou autres qui ont fondé le fonds. Et comment dirais-je, Octave nous a posé une question. Il a dit... donc OVH Cloud, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a dit, est-ce que ça va me demander du temps ? Alors Jean-Pierre Le Tartre lui dit, oui, je crains que ça te demande du temps. Ben, dans ce cas-là, je viens, parce que si c'était uniquement pour mon argent, je ne serais pas venu. Voilà. Alors c'est un esprit qu'on retrouve beaucoup dans les Hauts-de-France et dans le Nord, bien évidemment, mais c'est pour vous dire l'implication qu'il va y avoir de chacun de ces actionnaires investisseurs.
Et bien évidemment, il y a quelques investisseurs financiers autour de nous. Donc finalement, plus qu'un fonds, c'est la recréation d'un écosystème au service des entreprises. Oui, c'est ça. Et un écosystème de transformation, en fait. C'est-à-dire qu'on anime ça avec... alors moi, le dernier livre que j'ai fait, il était préfacé par Jean-Pierre Le Tartre, et puis on a créé les chemins de la transformation avec des conférences et des rencontres avec des entrepreneurs pour réfléchir justement autour de cette notion de transformation, comme vous le faites aujourd'hui, pour essayer de guider les entrepreneurs du territoire. Merci. Je me tourne vers vous. Quand on a préparé la table ronde, on a eu ce sujet d'écosystème qui est revenu assez régulièrement sur comment recréer un écosystème à la fois de financeurs mais aussi industriel, finalement tout étant lié. Quelle est votre vision et puis comment la BPI contribue à recréer cet écosystème? Très clair. Alors, la notion d'écosystème, pour nous, ça se traduit aussi par un mot qui est de l'éviter le silotage, en fait. Parce que si l'on se projette en 2030-2040, l'industrie française sera constituée fondamentalement d'entreprises PMI, ETI qui ont réussi à prendre le saut de l'innovation. Et puis, d'un autre côté, de ce qu'on peut appeler des start-up industrielles, c'est-à-dire quelque chose aujourd'hui qui est peut-être dans une SAT qui fait de la recherche ou d'une idée d'usage. Et notre enjeu, ça va être surtout d'éviter qu'il y ait un silo d'un côté des start-up industrielles, parce que plus on fait ce silo-là, plus il y en aura qui iront à Shenzhen au lieu de s'implanter dans les territoires. Il faut que très très vite la start-up, l'idée, soit ancrée dans le proto, dans la première série et dans l'usine, sur un écosystème France, c'est-à-dire avec les PME, les ETI et puis tout l'écosystème de services qui est déjà en place pour l'industrie. Et donc la manière dont on aborde fondamentalement la question, c'est de se dire, ces start-up industrielles qui peuvent être encore une fois techno ou usage, il faut les prendre le plus tôt possible, accélérer leur cycle de réflexion et de pré-industrialisation, et puis ensuite aller s'assurer qu'on aura un contact avec l'écosystème French Fab en aval. En parallèle, donc ça, j'y reviendrai, ça passe par des dispositifs de financement et d'accompagnement. De la même manière, PMI, ETI industrielles, comment est-ce qu'on fait pour les faire pivoter sur de l'innovation de rupture ? Technologique ou pas d'ailleurs, d'usage, on pivote, il faut les accompagner beaucoup, il faut aussi leur donner les moyens parce que l'écosystème capitalistique, on en a un peu parlé tout à l'heure, n'est pas encore totalement mature pour les financer ces entreprises-là, sur ces ruptures-là. Il y a des difficultés des deux côtés en fait, pour la start-up industrielle parce que c'est un long shot, et puis de l'autre côté sur la PME industrielle parce qu'il faut avoir un bon équilibre entre la valorisation des actifs historiques et puis la valorisation de la projection. Et aujourd'hui, les écosystèmes capitalistiques sont totalement différents. Comment on va faire, du coup ? Ça va passer par trois axes. Le premier, ça va être faire évoluer nos propres dispositifs du côté de la BPI, avec une capacité d'aller accompagner les projets industriels de la phase d'idéation, proto, démonstrateur et première usine. Ça va passer beaucoup par des systèmes de subventionnement qui vont être un peu plus forts que ce qu'on a eu par le passé, qui vont être un peu plus ciblés sur les entreprises, enfin sur les projets, on va dire, d'industrialisation. Des écosystèmes de prêts qui vont aller plutôt compléter les prêts que peuvent faire les banques au moment de la première industrialisation. C'est tout ce qu'on a une gamme qui s'appelle les prêts sans garantie chez nous. On va la densifier pour être capable de financer toute la partie matérielle qui est généralement très très forte dans les premiers projets industriels. Et puis de recréer l'écosystème capitalistique. En propre, nous, ce qu'on a, on a un très beau fonds qui s'appelle SPI, Société de Projets Industriels, qui a fait près de 15 opérations sur les 5 prochaines années, qu'on va recharger. Et en parallèle à ça, c'est la deuxième brique, il faut surtout construire l'écosystème. Et cet écosystème, ça passe par plus d'acteurs privés. Et nous, notre rôle à la BPI, c'est d'aller identifier ces acteurs privés, les initiatives comme Hauts-de-France, mais des initiatives aussi, il y en a de plus en plus de nouveaux gestionnaires qui ont une expérience de l'industrie et qui ont un mindset qui est capable d'aller... se dire voilà comment on peut, voilà quel risque, quelle typologie de risque on peut prendre sur une start-up industrielle ou sur une entreprise un peu plus mature qui est en train de faire ce pivot-là. Et donc on va annoncer, enfin c'est le gouvernement qui va annoncer d'ici la fin de ce mois, une nouvelle initiative pour aller financer tout cet écosystème de gestionnaires privés qui vont aller financer le plus amont possible tous ces projets industriels. Et enfin, et je ne l'oublie pas, on a un vrai enjeu nous-mêmes de former nos staffs, parce que Damien gentiment a dit qu'on avait été très très présent. On pense qu'on doit être encore plus présent, à la fois pour répondre à la montée de la demande, mais aussi il faut qu'on s'acclimate à être capable d'analyser un peu mieux la valeur technologique des projets, à nous-mêmes faire ce petit pivot d'analyse au sein de nos équipes, pour être capable d'aller financer plus en profondeur, de prendre le bon risque, en fait, sur ces risques, sur des programmes industriels. Et tout ça, bien sûr, avec des dispositifs d'accompagnement et de conseil qui vont être beaucoup plus puissants sur les prochaines années.
si je puis me permettre de rebondir sur ce que disait Guillaume, écosystème, ça veut dire convergence et pas opposition. Et ça, c'est très important. Alors, vous savez qu'on est toujours dans... On a un côté très latin chez nous, quoi. C'est start-up contre le new, contre le old, etc. C'est complètement faux. Je pense que l'environnement des start-up est un environnement qui doit irriguer dans l'industrie traditionnelle. Et c'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans la finance, hein, qui est en avance sur ce sujet, les banques s'allient avec des start-up pour pouvoir avancer, créer de nouveaux services. Et donc, l'industrie traditionnelle, comme on dit, etc., elle a besoin justement de cette convergence avec l'écosystème des startups qui est plutôt assez avancé et développé. En Europe, en tout cas, c'est certainement un des systèmes les plus avancés dans son système de financement. Et la France est devenue maintenant parmi les leaders dans le financement des startups. Et donc, les industriels et les chefs d'entreprise, ils doivent s'inspirer des startups pour l'agilité, pour les organisations agiles, apprenante, le test and learn, hein, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, quoi. On a voulu tester, vous avez employé ce mot, avec Bob, le lave-vaisselle, et donc je pense que c'est quelque chose qui est très important. L'écosystème est complémentaire, les acteurs sont complémentaires, c'est une chaîne de valeur complète qui est en train de se recréer au niveau industriel. Oui, si je me permets de rebondir sur vos remarques respectives. Alors d'une part, c'est vrai qu'il y a un problème sur la partie financement, mais qui est pas fait qu'il y ait, en fait, c'est ce que vous disiez, de la valorisation des entreprises industrielles, c'est-à-dire que les entreprises industrielles sont valorisées, peanuts, j'ai envie de dire, par rapport aux boîtes logicielles. Alors, voilà, pour parler de très concret, nous, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, on n'est même pas valorisé notre chiffre d'affaires, alors que les boîtes logicielles qui font zéro, elles sont valorisées autant que nous, alors qu'elles font zéro de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est complètement délirant. En tout cas de mon point de vue. Donc ça, pourquoi ? Enfin, il y a peut-être des raisons. En tout cas, quand on voit outre-Atlantique et en Chine les valorisations, on se dit qu'il y a peut-être un regard à changer aussi. Notamment quand on parle de souveraineté, si on regardait la souveraineté des entreprises, il y a un moment, du point de vue entrepreneur, quand quelqu'un d'étranger vous propose un très gros chèque, KMCC étudie aussi. Donc si en France il n'y a pas d'amélioration de ce point de vue-là, forcément... on va dire les entrepreneurs iront voir ailleurs, ce qui est rationnel et logique d'une certaine façon. Vous parliez justement d'écosystème et c'est très important. Une des choses que moi j'ai vu quand je me suis lancé, c'est qu'en fait tout le monde nous encourageait à aller en Chine parce qu'on nous disait c'est le seul endroit, alors à Shenzhen, où vous allez trouver un écosystème qui vous permettra de lancer votre produit. Et je vais vous dire qui m'a dit ça, c'est un fonds public abondé par la région Île-de-France qui n'existe plus, je crois qu'il a changé de nom, mais qui avait investi dans une télécommande connectée qui, elle, n'a pas fonctionné. Et en fait, pour en revenir à la valorisation des entreprises, en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'axe trop, à mon goût, je pense, sur la partie technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on jure que par la technologie, que par l'innovation de rupture, etc. C'est bien, mais en fait, in fine, le rôle d'une entreprise, c'est de faire des produits qui se vendent. Enfin, je veux dire, en France, on est un peu une nation d'ingénieurs, dans le sens où, on a historiquement des chercheurs, des ingénieurs qui sont très bons dans les sciences dures, et c'est quelque chose qu'on cherche absolument à valoriser, à se dire, on va être techniquement meilleur que les autres, on va faire les avions les plus rapides, etc. Sauf qu'en fait, tout le monde s'en moque, ce qui compte, et ça, les Américains l'ont bien compris, c'est d'arriver à faire des produits qui se vendent mieux que les autres et, in fine, d'être bon en marketing. Et c'est ce qui explique, au final, que les entreprises outre-Atlantique soient mieux valorisées, parce qu'en fait, elles ont un marketing qui est beaucoup plus performant que nous et qui a une portée aussi internationale. Et ça, c'est un des points qui, pour moi, je pense, est important, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de Made in France et tout, mais pour moi, le Made in France ne peut exister que dans un contexte international. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les investissements industriels, vous le soulignez, sont colossaux. Et en fait, le marché français, à lui seul, est trop étroit pour pouvoir rentabiliser les investissements faits dans un contexte industriel. Donc, des boîtes industrielles ont vocation et nécessité à aller à l'international. Et c'est pour ça que nous-mêmes, avec Bob, en fait, dès le début, on a pensé international, même si on a commencé par la France, parce que c'est notre marché, on va dire, national, et c'est celui qu'on connaît le mieux. Parce que, en fait, voilà, nous, on a investi 3,5 millions d'euros pour le sortir, et ça, c'est rentabilisable qu'en exportant. Aujourd'hui, l'export, c'est plus de 40% de notre chiffre d'affaires sur les derniers mois. Et sur les premiers jours de janvier, plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Pour conclure sur la partie écosystème, nous, la raison pour laquelle on est resté en Vendée, c'est parce qu'on a,
on y a découvert un écosystème local qui est très structuré, c'est-à-dire que ben voilà, on a des injecteurs plastiques, des moulistes. Enfin, moi, le mouliste qui a fait les moules les plus complexes du Bob est à l'autre coin de la rue, comme quoi il suffit de traverser la rue pour trouver un fournisseur en Vendée. L'électronique est assemblée en Bretagne, et en fait, tout ça, on l'a fait d'une part par volonté, parce que alors que tout le monde nous disait d'aller en Chine, nous on se disait non, on peut faire en France, etc. On a cherché, et en fait c'est quelque chose qui manque aussi. Je dis souvent, ce qui manque en France, c'est un peu un Alibaba du Made in France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose, vous allez sur Alibaba, vous trouvez en 10 minutes 20 fournisseurs qui font exactement ce que vous voulez, et pendant que les Français mettent 3 semaines à vous faire un devis, les Chinois ils ont fait le devis, les échantillons, ils ont lancé la mass prod. Donc voilà. Et du coup, c'est pour partager ces connaissances que j'ai rejoint le collectif Startup Industrielle France et que je suis membre du board de Hardware France, parce que je trouve que ces connaissances-là et ce réseau-là doivent, enfin entre guillemets, sont un peu un bien public, dans le sens où c'est pas, il y a plein de consultants qui vont chercher à vous monnayer ça, et pour moi c'est pas quelque chose qui devrait être vendu, c'est quelque chose qui devrait être libre d'accès. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que des startups qui se lancent me demandent mon aide là-dessus, je les aide très volontiers et pro bono. Je voulais revenir sur l'exemple tout à l'heure du fonds là, évoqué par Arnaud, parce qu'avec une singularité qui est très féconde, je pense, pour les entreprises, c'est le fait que ce fonds soit opéré par d'anciens dirigeants, d'anciens entrepreneurs. Et ça change tout. L'écosystème, excusez-moi, mais la finance, c'est une technique comme une autre, hein, et même un peu plus simple qu'une autre, puisqu'il suffit de savoir faire des additions, des soustractions, des multiplications. Donc il faut quand même la laisser à sa place. En revanche, il faut un dirigeant d'entreprise, il est seul à bord, et il faut qu'il puisse d'une part être épaulé sur certains sujets, certaines fois ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard, pour au contraire réagir très vite sur la bonne opportunité qui passe, etc. etc. Et ça, il existe un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs. Moi, je suis par exemple lauréat du réseau Entreprendre. La personne qui m'accompagne de ce réseau Entreprendre, c'est un ancien dirigeant qui a cédé son entreprise, qui, il faut le savoir, paye pour avoir le droit d'accompagner des lauréats du réseau Entreprendre. Ça fait partie du modèle du réseau. Et qui, le reste de son temps, a investi dans un fonds avec d'autres entrepreneurs pour aider des entreprises. Forcément, ces gens-là, ils connaissent les problématiques des PME, etc., mieux que quiconque. Par contre, leur financement, il est limité à la mise qu'ils ont réalisée, donc c'est-à-dire souvent pas grand-chose. Et il y a certainement quelque chose à faire autour de ça, parce que c'est cette, entre guillemets, cette passation de relais entre les différents entrepreneurs qui peut être féconde. Et on a eu beaucoup d'entrepreneurs en France, on en a encore et on en aura encore. Et simplement, il faut que on se passe le relais au fur et à mesure, chacun vive son aventure et prenne la suite. Juste pour conclure, j'ai évoqué mes business angels. La plupart d'entre eux sont des gens aux côtés desquels j'ai travaillé moi en tant que manager de transition. Ils me renvoient à l'ascenseur maintenant. Voilà, l'histoire se... Et je ferai pareil un jour, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous deux veut rebondir ? Juste rebondir sur la valorisation. L'industrie, par rapport à la tech, l'industrie, ça se valorise par rapport à son passé. Et la tech, ça se valorise par rapport à son futur, en fait. Donc, dans un cas, on a les cash flows. Dans l'autre, on a une croissance, effectivement, qui est espérée. Après, je dirais, les valos, elles changent, les multiples, ils changent à partir du moment où l'industrie est capable d'intégrer de la technologie. Mais ce que vous dites est très vrai. De toute façon, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à du financement, en fait, quand on décide d'être un industriel avec une implantation sur le territoire. Moi, je voudrais juste rebondir sur le Alibaba sur l'industrie. En fait, je pense que ce sera un Alibaba, il y aura peut-être une plateforme, mais ce sera aussi beaucoup du physique, en fait. Et pour moi, l'enjeu premier, ça va être de la rencontre de tout cet écosystème que j'appelle tech, mais qui est de l'innovation, en fait, plus que de la tech, en fait. Innovation tech ou innovation d'usage, enfin des nouveaux projets avec l'écosystème des French Fabbers, en fait. C'est la rencontre de la French Tech et de la French Fab qu'il faut faire, en fait, quasiment au niveau des territoires, de façon informelle. Et progressivement, ensuite, il y aura peut-être des outils digitaux, des plateformes et autres qui viendront multiplier cet effet-là. Mais c'est aussi beaucoup, enfin, ce qu'on décrit sur la Vendée, où il y a beaucoup de French Fabbers, justement. Enfin, c'est, en fait, fondamentalement, c'est un terroir qui est assez ouvert, où il y a des entrepreneurs qui sont assez agiles et du coup qui sont capables de dire OK à une start-up qui
vient les voir pour aller faire ses premières pièces. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on identifie très tôt, c'est les industriels qui sont capables de travailler. Et au sein de la French Fab, on en a près de 7000 et on commence à avoir une montée des startups industrielles. Il faut qu'ils se rencontrent le plus tôt possible et naturellement, ça fera un Alibaba physique, quoi, presque. Tout à fait. Enfin, juste pour rebondir sur le côté French Fab, c'est vrai que c'est un peu le Alibaba français, dans le sens où moi-même, je l'ai vécu. En fait, il y a pas mal d'entreprises qui cherchaient des sous-traitants. Et en fait, la plupart, via le réseau French Fab, on les identifie assez facilement et on peut faire les mises en relation. Sachant que French Fab, c'est plutôt des PME, PMI qui sont dans de la sous-traitance pure, donc qui n'ont pas de marque propre, pas d'accès au marché. Et derrière, elles vont servir des start-up qui, elles, ont l'innovation et l'accès au marché. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans tout ce que vous évoquez, peut-être aussi de perte de culture du temps long ? C'est-à-dire que le temps industriel est par nature quand même un temps plus long que peut-être le temps de la tech et donc une impatience de l'investisseur à prendre ce risque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le problème, c'est l'impatience de l'investisseur, c'est-à-dire que beaucoup de fonds, d'acteurs financiers, finalement veulent faire tourner leur portefeuille dans les 4 ans et c'est pas du tout le temps de l'industrie et d'une implantation industrielle, notamment par rapport les autorisations en amont, la réalisation et puis ensuite le lancement de la production, parce que on le voit bien, on parlait tout à l'heure de transformation, on parle aujourd'hui de difficultés d'approvisionnement ou autre, on est dans cette allocation des ressources et on est dans ces difficultés de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que en fait, en face de la vision d'un marché qu'on va avoir, il faut être capable de mettre à la fois les compétences, le leadership et l'organisation que l'on va avoir. Et c'est sur le temps industriel, c'est un temps en tout cas qui n'est pas un temps immédiat. C'est-à-dire autant l'hypercroissance est très très facile très facile, chose, ça s'entend, elle est beaucoup plus compréhensible sur des plateformes de services, autant sur l'industrie, l'hypercroissance, elle se conjugue quand même avec un temps beaucoup plus long, quoi. Je me permets de rebondir sur le temps long. Il y a deux choses. Alors, dans l'industrie, on ne se tourne pas forcément les pouces. C'est-à-dire qu'en fait, le temps est beaucoup plus long par rapport au logiciel, parce qu'en fait, il n'y a pas toute la partie physique, il n'y a pas l'inertie physique qu'on va avoir dans l'industrie, puisque l'industrie, c'est quand même du hardware. C'est-à-dire que vous parliez d'homologation, il y a tout ce qui est mis aux normes pour pouvoir vendre sur des marchés, et puis tout ce qui est approvisionnement et tout. Mais après, on peut quand même avoir un aspect croissance explosive qu'on va retrouver sur du logiciel, et qui souvent, en tout cas, jusqu'à présent, on considère que c'est pas possible pour l'industrie, mais il y a quand même des entreprises qui prouvent que c'est faux. Enfin, si on prend Tesla, clairement, ils ont prouvé qu'en partant de zéro, on pouvait faire un modèle de croissance explosif dans du hardware et prendre une position de leader sur le marché. Et ça, en fait, c'est justement le fait qu'on prenne pas en compte cet aspect de croissance explosive, c'est ce qui explique que les valorisations soient beaucoup plus faibles, parce que comme vous le disiez, pour l'industrie on regarde que le passé, alors que pour le logiciel on regarde l'avenir. Le problème, c'est qu'en fait une entreprise de croissance industrielle reste une entreprise de croissance, on devrait quand même regarder l'avenir, ce que savent faire nos homologues américains et chinois. Je pense que cette question de temps long est l'un des critères en fait plutôt d'une culture d'un écosystème de capital investissement, comme on a pu le recréer sur la pharma et les biotech, où l'investisseur doit juste avoir une vision claire des perspectives de rendement, que ce soit long ou autre. Derrière, il est capable de le factorer. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il ait une culture industrielle suffisante pour être capable d'analyser le dossier, fondamentalement. C'est donc plutôt de la culture dont un des éléments est le temps long, mais ce n'est pas que le temps. Alors, je vais poser une question peut-être un peu provocante ou polémique, mais parce que Damien citait l'exemple de Tesla. Est-ce que la France a aujourd'hui la capacité de faire émerger un Tesla, pas forcément la capacité industrielle, mais la capacité de réactivité, d'agilité, ça comprend aussi l'agilité de l'administration, pour faire émerger un champion de ce type? Alors, je vais me permettre de répondre, c'est que mon avis personnel, moi je pense que non. Pourquoi? En fait, c'est pas une question de talent. Clairement, on a des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs au monde. C'est pas forcément une question de volonté, c'est une question de culture, c'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas cette volonté. Enfin, on n'a pas cette culture de vouloir être des leaders, etc. Souvent, les boîtes se disent, on va faire une petite boîte qui va être vendue à un grand groupe. Et même ce que veulent les fonds. Les fonds, vous leur dites, je vise une IPO. Ce que moi, je dis depuis le début que je veux faire un exit par IPO. Tout le monde me dit que je suis fou.
peut-être que je le suis sans doute, mais bah voilà, alors qu'aux États-Unis vous dites, bah voilà, je vais faire seed, série A, série B, IPO. En France, on n'a pas ça. Et au final, bah nous, aujourd'hui, on commence à traiter avec des fonds qui nous disent, bah voilà, on a compris vos ambitions, on va vous aider à devenir une boîte globale et aller chercher une IPO, s'il le faut, aux États-Unis ou à Hong Kong. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. C'est quand même d'abord une histoire humaine, hein, faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qui est Elon Musk. Hein. Il ne sortait pas de nulle part. Et l'argent, c'était d'abord le sien, quand même, qui était engagé dans cette histoire. Donc, la question que vous venez de poser, il faudrait la poser à Octave Klaba ou à des gens comme ça qui réussissent très vite, très tôt. Et derrière, qu'est-ce qu'ils en font? Ou à Kylian Mbappé, je ne sais rien. Mais. Je pense que l'histoire de l'individu est quand même aussi très, très importante dans cet exemple de Tesla en particulier. Moi, je pense que la seule chose qui est sûre sur la question, c'est qu'on ne l'a pas fait, mais notre capacité à le faire à l'avenir, je pense qu'il faut d'abord se penser. On se disait, il y a 5 ans, on va faire 10 licornes en France sur du digital, on en est à 24 ou 25, 24 ce matin. Depuis ce matin, il faut juste qu'on se donne les moyens. Je pense qu'effectivement, les conditions, il y a encore quelques années, il y a encore quelques freins qu'il faut faire tomber. Si on se donne une volonté collective d'y aller, on peut faire quelque chose. Il faut quand même se rappeler que beaucoup ont raillé Elon Musk en ne croyant pas à son projet pendant longtemps et jusqu'à encore très peu. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Tesla, et récemment on vient d'avoir l'annonce entre Stellantis et Amazon, c'est-à-dire que en fait, les constructeurs, bon, Tesla vaut 1000 milliards, quand Renault en vaut 10 et Stellantis 70. Donc ça montre la différence. C'est que lui, il a imaginé une voiture, mais qui était une voiture complètement connectée, intégrée. Donc lui, il a pris l'espace du monde pour gérer sa voiture, en fait, et savoir ce que devenaient toutes les voitures et autres. Et c'est intéressant. Parce que quand tous les constructeurs automobiles mondiaux ont considéré que la voiture électrique passait par le segment d'entrée de gamme, Tesla est le seul à avoir considéré qu'il fallait se positionner sur le premium. Et je trouve que c'est un enseignement, c'est bien la vision d'un entrepreneur. Voilà, la vision, il a une vision globale. Et il a ensuite une vision d'un marché, on y est complètement dans cette approche de design thinking, et il s'est dit, je vais aller chercher des clients, et effectivement, il est très valorisé, survalorisé, etc., peu importe le terme, mais en tout cas, c'est une valeur de marché. Mais je crois qu'il a eu cette vision, et il s'est tenu à cette vision. Je discutais l'autre jour avec Nathalie Ballat, la PDG de La Redoute, et pour préparer une intervention avec elle. Et je lui demandais, on lui demandait avec Jean-Pierre Le Tartre, mais finalement, comment tu résumerais finalement ce que tu as fait à La Redoute ? Elle nous a répondu, j'ai fait des choix extrêmement tranchés avec une vision et je m'y suis tenu, j'ai considéré que ça devait être du full digital et autres. Et donc elle a fait effectivement des choix tranchés à l'époque où elle le fait. C'est quand même extrêmement avant-gardiste, quoi. Abandonner le catalogue de La Redoute pour être full digital, il fallait oser. Et donc finalement, Elon Musk, c'est ce qu'il a fait. Donc, est-ce qu'on est capable de faire Tesla ? J'espère qu'on sera bientôt capable. Moi, je suis toujours assez meurtri de voir que sur des très belles histoires industrielles et entrepreneuriales françaises, à un certain niveau, on est obligé d'annoncer l'arrivée de fonds anglo-saxons. Personnellement, parce que moi j'ai une certaine idée de mon pays, mais je suis ravi quand il y a des initiatives comme Lac d'Argent ou ce genre de choses qui sont là pour défendre le capitalisme français. Mais on a peut-être une tendance chez nous à toujours trop attendre du public. Tout le monde se tourne vers Escalité, vers la BPI, vers la Banque des Territoires et autres. Nous, on a montré dans notre fonds qu'avant d'aller chercher le moindre euro d'un investisseur institutionnel, on a d'abord mobilisé des fonds privés, et c'est un fonds privé dont la gouvernance est exclusivement privée. On est soutenu par la région des Hauts-de-France, mais on est soutenu parce qu'il y avait un ADN entrepreneurial, en fait. Donc, effectivement, je pense qu'on a quand même des très grands entrepreneurs en France, dans un certain nombre de secteurs.
il faut qu'on arrive, et je crois que le travail qui est fait tendanciellement depuis 15 ans, 20 ans, est en train de porter ses fruits. Il faut qu'on arrive à avoir effectivement des grands succès dans la tech. Enfin, quand on voit Sorare ou ce genre de choses, ce que c'est devenu en si peu de temps, ça nous laisse des espoirs. Il faut qu'on arrive à avoir des gens qui ont des fortunes façon Bernard Arnault, mais peut-être dans les domaines de la tech et de l'innovation et, je dirais, des services. Ça va arriver. Bon, un entrepreneur comme Octave Clabat en est d'ailleurs un peu l'illustration. Mais il faut que ça vienne aussi d'initiatives privées et surtout pas que publiques. Je m'en sens vers Damien, parce qu'on a beaucoup parlé de Tesla, mais je crois, et je ne crois pas trahir un secret quand on a parlé publiquement, que tu es en train de faire un truc actuellement que les industriels ne font pas pour le moment, c'est de t'intéresser sérieusement aux crypto-monnaies comme un levier éventuellement pour te différencier et aller sur d'autres terrains. Tout à fait. Alors, c'est un peu ce qu'a fait Tesla d'ailleurs, en tout cas Elon Musk. Mais déjà, il y a un aspect technophile et early adopter, ce qui permet de toucher une cible early adopter, pas qu'en France, en fait, même beaucoup à l'étranger. Puis on entend beaucoup parler des NFT, donc toutes les boîtes de luxe sont mises sur ce créneau. Et en fait, ça, on va dire... pour moi, c'est un constat, c'est que pour moi, une des qualités fondamentales de l'entrepreneur, c'est l'opportunisme. Enfin, c'est souvent un gros mot, en fait. C'est pas du tout considéré comme étant une qualité habituellement, l'opportunisme. Pourtant, je pense que dans le monde entrepreneurial, c'est une des premières qualités de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, vous avancez, puis en fait, des fois, il y a un peu de lumière qui apparaît quelque part. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est saisir l'opportunité et transformer en fait la potentialité en réalité. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Bob, ce qu'on réfléchit à faire. Alors, on a déjà créé le Dancoin, mais ce n'était pas une crypto-monnaie pour en fait rémunérer nos ambassadeurs. Donc, le Dancoin existe déjà et on basculera prochainement en crypto-monnaie. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de buzz, l'aspect crypto-monnaie sur le Bob, mais c'est juste une de nos activités parmi d'autres. Par contre, ce qui est très intéressant quand vous évoquiez Tesla, ce qui différencie Tesla des autres constructeurs, c'est l'intégration verticale. C'est-à-dire que nous, quand on relie nos BP de 2016, une des briques de notre philosophie, c'était l'intégration verticale. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen, un des seuls moyens d'être compétitif, c'est-à-dire assurer à la fois la conception, la fabrication et la commercialisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. Toute la valeur ajoutée est faite in-house et ça permet d'avoir une meilleure maîtrise technologique. Nous, clairement, tous les mois, quasiment, on change des choses sur le produit, on fait de l'amélioration continue, et ce qui fait qu'on a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide que toutes les entreprises qui sous-traitent à des bureaux d'études, à des usines pour la fabrication, etc. Et Tesla, en fait, il y a l'aspect logiciel et tout qui est important, mais en fait, Tesla, c'est avant tout un fabricant de batteries et de moteurs. Ça ne s'appelle pas Tesla Motors pour rien, c'est parce qu'en fait, ils fabriquent l'essentiel des briques technologiques, eux, et quand vous regardez toutes les boîtes industrielles qui marchent, c'est ce qu'elles font. Vous prenez Vorwerk, vous prenez Brandt, vous prenez Dyson, ils fabriquent eux-mêmes leurs moteurs. Par exemple, Dyson, en fait, c'est très simple. Quand vous voyez l'extension de la gamme, en fait, Dyson a commencé à fabriquer lui-même ses moteurs et puis il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui réutilise mes moteurs ? Donc, en fait, il y a toujours derrière l'aspect gamme une logique industrielle forte. Et donc, de remonter dans la chaîne de valeur, si on comprend bien. Nicolas, je me tourne vers vous parce qu'avec avec Damien, on a beaucoup l'exemple du B2C et c'est vrai que quand on parle au grand public de l'industrie, on a tendance à penser au B2C et assez peu au B2B en fait. Et on a quand même beaucoup d'entreprises industrielles qui vendent à d'autres industriels. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque quand on parle de tout ça, de Tesla qui vend directement aux consommateurs en tant qu'industriel ayant une position peut-être un peu différente et aussi soumis à des rapports de force peut-être un peu différents? Alors moi, c'était une de mes convictions en me lançant, c'est-à-dire j'avais opéré dans le monde aéronautique et un monde constitué de beaucoup de sociétés de petite et moyenne taille, parce que même Airbus, qui était un grand succès, l'Airbus A320, 60 à 320 par mois, celui qui fait une pièce par avion, il ne fait jamais que 60 pièces par mois, donc ça reste quand même un marché qui est constitué de petites sociétés très techniques, donc depuis longtemps, je suis confronté à ces caractéristiques. Et j'avais donc été dans le rôle des grands groupes face aux PME. Maintenant, j'essaie de faire partager cette expérience dans les PME que j'ai rejoint d'abord en manager de transition et maintenant dans celle que j'ai reprise. Il y a effectivement la notion de temps long dont on parle. Bon, typiquement pour mon innovation, si vous voulez, quand je vais voir un client et je lui explique, vous voyez, si vous produisez ça avec de la poudre, vous allez consommer 50% d'énergie et 50% de matière en moins. Oh, génial!
Ben non, pas du tout. On me répond, ah oui, ça va coûter combien ? Ah ben oui, mais pour l'instant, personne ne produit la poudre à très grande échelle. Donc, à part des niches qu'on est en train d'explorer, ben, il n'y a pas encore des débouchés fantastiquement. Ben, ça, c'est typiquement le B2B. Bon, ben, ça fait partie du jeu, il faut le savoir. C'est aussi pour ça qu'on a repris une société industrielle, justement, pour s'affranchir des problématiques de homologation, outils industriels, etc., dont la grande partie existe déjà, en fait, à travers ce qu'on a repris, qui nous permet de gagner du temps et de la crédibilité sur le marché. Je me permets juste de rajouter un mot sur le fait que vous soyez en B2B, c'est très intéressant, parce qu'en fait, précisément, pour rebondir sur la partie financement, en fait, les fonds classiques ne financent pas le B2C. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites hardware B2C, c'est presque un gros mot, les fonds partent en courant, parce qu'en fait, bah, soi-disant, le B2C, c'est quelque chose qui est très risqué, quelque chose qui est très incertain, et bah, du coup, ça ne tire pas du tout. Or, pour moi, en tout cas, j'ai été en Chine dans le cadre de l'initiative Make It in China 2025, donc organisée par le gouvernement chinois et tout. Bah, eux, la Chine, ils ont compris qu'en fait, ce qui drive l'industrie, c'est le grand public. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, vous le disiez très justement, dans l'industrie de pointe, donc l'aéronautique, bah, on fait 60 pièces par mois, là où dans l'industrie grand public, on parle en dizaines, voire centaines de milliers de pièces par mois. Donc forcément, l'effet d'entraînement d'une industrie B2C est... Voilà, je pense, plus important que B2B. Il peut y avoir un volume effectivement différent. En revanche, effectivement, l'intérêt du B2B quand même, c'est qu'il y a une moindre volatilité. Paradoxalement, ça ne paraît pas forcément intuitif comme ça, mais quand on est sous-traitant d'un grand groupe, etc., il faut quand même faire un certain nombre de bêtises pour qu'il change de fournisseur, parce qu'une fois que ça fonctionne, il a autre chose à faire que d'aller remettre en cause le gars qui lui achète, qui lui vend des pièces depuis un certain temps dans des bonnes conditions de qualité, de logistique, etc. Voilà, donc il y a moins de possibilités d'exploser dans le bon sens du terme, mais par contre il y a une certaine stabilité qui fait partie des caractéristiques de ce type de marché. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps qui nous était alloué. Juste peut-être si chacun d'entre vous pouvait conclure avec peut-être un conseil ou une recommandation en faveur du soutien à l'industrie et puis à ces questions de financement. On regarde vos parcours. Je propose de commencer par ma gauche. Je pense, en guise de synthèse de notre échange, le conseil que moi je pourrais donner, et qu'on essaye de donner, et qu'on va donner sur les prochains mois et les prochaines années, c'est beaucoup plus allez-y, lancez-vous, parce qu'on va mettre les dispositifs en place pour être capable de faire maturer ces projets et puis de les faire réussir. Je crois qu'au cœur des modèles, et les deux entrepreneurs qui viennent de s'exprimer viennent de le montrer, on a la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre et d'établir. Il faut avoir en tête que cette chaîne de valeur est en train de s'étendre, en amont, en aval, en amont avec les dépendances, donc effectivement l'intégration verticale a un certain nombre de vertus, et en aval parce que l'enjeu des entreprises et de la durabilité des entreprises, de la pérennité des entreprises, c'est leur capacité à ne pas se faire intermédier par d'autres acteurs et donc à réfléchir avec pertinence à leur go-to-market. Donc la chaîne de valeur est clairement au cœur du processus de transformation de l'entreprise. C'est ça qui est vertueux et c'est ça qui a de la valeur, en fait. Le terme qui me vient pour justement se lancer, c'est s'entourer aussi. Voilà. Même si ça, quand vous lancez, c'est votre aventure, mais les gens dont vous vous entourez, ils vous la voleront pas. Mais si vous lancez tout seul, vous avez bonne chance que votre lancée, en fait, ce soit un joli atterrissage à plat. Voilà. Moi, ce que je dirais pour conclure, c'est de garder le cap. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, ça peut être la figure de proue d'un bateau. On se prend pas mal de vagues dans la tête, mais il faut continuer à avancer. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, enfin, pour tous ceux qui, pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer. C'est que souvent, on vous dira que votre idée n'est pas la bonne. Et encore faut-il la communiquer. C'est pas possible et tout. Mais derrière, tant que vous avez des indices du réel qui vous confortent dans cette idée-là, il faut foncer. Il faut pas écouter ce qu'on nous dit. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que les seules limites, en fait, aux perspectives entrepreneuriales, c'est les lois de la physique et du marché. Tant qu'on les respecte, tout va bien. Merci. Alors, il est... Bien. Alors, vous avez vu, vous avez société... je n'arrive plus à parler, c'est très bien, vous avez modéré la table ronde tout seul, et c'était bien ce qu'il me fallait avec mon manque de voix. Je vous remercie, il est 17h30, je vais passer le bâton de parole à Éléonore Blondeau,
qui va se... J'ai beaucoup de mal avec les expressions françaises, je les réinvente à chaque fois, c'est terrible. Qui va se charger d'animer la prochaine table ronde et de vous présenter les prochains intervenants. Merci à encore d'être venu, de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir partagé vos expériences. La table ronde suivante pour ne pas perdre de temps. Donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année, qu'on espère être celle de la réconciliation de l'industrie et de la finance au service de l'impact, puisque finalement c'est un peu le sens à la base de pourquoi on fait quelque chose, si ce n'est pas pour créer de l'impact environnemental et social dans nos territoires et pour notre pays, à quoi ça sert ? Je vais accueillir sur scène avec moi Anne-Sophie Kaistiker, présidente et fondatrice de DoctiBike et récemment directrice générale de Green Rider Group, elle vous en dira plus. Sarah Korn, partner chez Founder Futures. Albin Jourda, operating partner chez Demeter. Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer. Et enfin, François Blouvac, responsable programme territoire d'industrie à la Banque des Territoires. Donc, merci à eux d'être là aujourd'hui. Donc on va essayer aujourd'hui, donc on vient d'entendre une table ronde où il y avait vraiment un enjeu d'accompagnement de la relocalisation pardon, de l'industrie, mais aussi d'accompagner finalement les PME ETI existantes à innover. Et c'est pourquoi il y a un besoin d'avoir un continuum de financement pour accompagner cette transformation. Mais il y a aussi un enjeu pour les entreprises qui créent from scratch, d'une feuille blanche. Parfois ça vient d'une technologie issue d'un laboratoire de recherche, mais parfois ça vient tout simplement de l'idée d'un entrepreneur qui a fait un constat, qui part d'un besoin d'usage, et parfois cette innovation elle repose sur un produit matériel ou un procédé industriel, et ça devient, si l'ambition est de devenir ensuite un produit qui sera produit en série, ça devient ainsi une start-up industrielle. Pourquoi je vous donne cette définition ? Parce que c'est vrai que finalement l'écosystème start-up en France a été créé plus ou moins par et pour le numérique et le service, alors que depuis longtemps déjà, on peut citer des start-up comme EVK ou Boostit, qui sont des entreprises innovantes, à forte croissance, escalables, et dont l'innovation repose sur un produit matériel, voire des procédés industriels comme Insect, bien sûr que vous connaissez. Donc... ayant été moi-même entrepreneur pendant 5 ans d'une entreprise industrielle, j'ai rencontré en fait beaucoup de difficultés dans le développement du projet, notamment d'une part de trouver des lieux adaptés au développement de la pré-industrialisation du projet, puis quand il a fallu financer la deuxième partie de la pré-industrialisation, trouver les fonds propres, parce qu'on le disait bien, du côté BPI France, du côté des banques, on trouve le soutien, c'est toujours un pour un, mais c'est toujours face à des fonds propres. Et aujourd'hui, il y a des business angels qui peuvent assurer le financement de la première partie du développement d'une start-up industrielle, c'est-à-dire la partie R&D, prototypage, où l'entrepreneur va valider son marché, va valider le cahier des charges fonctionnel de son produit. Mais une fois qu'il est arrivé à son MVP, son démonstrateur, ensuite il doit passer dans une phase de pré-industrialisation, donc dans laquelle il va faire du design to cost, passer toutes les homologations, les certifications, créer les outils de production, la documentation de production, et enfin faire tous les tests d'endurance de son produit avant de pouvoir arriver à la phase 3, la production grande série, dans laquelle il va soit créer sa propre usine, donc dans le cas d'Antec, c'est ce qui a été fait, soit sous-traiter la production de son produit en amenant sa documentation de production et ses outils de production à un partenaire qui peut être une PME ETI française, qui pourra produire pour lui ou pour elle son produit. Et donc aujourd'hui, en fait, ces étapes-là, pour un porteur de projet, sont assez claires, quoique
dans les incubateurs et les accélérateurs vers lequel se tourne l'entrepreneur au début de son projet. On lui explique très facilement comment faire une plateforme e-commerce, comment faire du SaaS, comment faire du marketing automation. Par contre, on lui explique encore très rarement quelles sont les étapes du développement de son projet, quels sont les acteurs, quels sont le vocabulaire, quelles sont les étapes de financement qu'il va devoir rencontrer. Donc, il y a un vrai besoin d'éducation sur ça. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi, en dehors d'un problème d'éducation, il y a aussi un vrai problème. Il y a un trou encore dans le continuum de financement et c'est ce qu'on est en train d'essayer de changer dans le cadre du plan France 2030 et des coopérations qu'on met en place avec BPI France. Donc pour vous dire que l'histoire que j'ai vécue personnelle, en fait je l'ai partagée avec plus de 50 entrepreneurs en France en début d'année dernière, ça fait déjà un an, et on s'est rendu compte que finalement ces écueils que je viens de vous citer, ben, on était des centaines à les vivre en France et qu'on avait envie que ça change. Et donc on s'est dit, ben, c'est bien de le dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Et donc on a petit à petit créé des groupes de réunions qui ont donné lieu et naissance au collectif Startup Industriel France en tant qu'association d'intérêt général depuis le mois de juin dernier et qui a pour mission, un, de faire connaître l'existence des startups industrielles, donc qui sont des innovations qui peuvent être des innovations produits, d'usage, de procédés, marketing et commercial, des innovations sociales et des innovations technologiques, mais pas nécessairement uniquement, basé sur un produit matériel ou un procédé industriel, et d'accompagner les acteurs de l'innovation, les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement, BPI France, hein, parce qu'on l'a dit, il y a un vrai besoin d'acculturation pour qu'ils puissent accompagner aussi bien qu'ils le font pour les projets numériques et de services, ces projets industriels. Donc cette activité, on l'appuie par du plaidoyer et des groupes de travail qu'on a via une plateforme en ligne, mais aussi des rencontres locales dans chaque région, parce que pour nous, c'est important d'expliquer que le fait de produire en France, ça crée de l'impact dans les territoires, parce que ce n'est pas juste l'entrepreneur avec son incubateur ou son fonds d'investissement. On vient de le voir dans la table ronde d'avant, c'est des sous-traitants, des fournisseurs, des ressources humaines, hein. Il faut des opérateurs, des techniciens, des gestionnaires, il y en a pour tous les niveaux d'études d'ailleurs. C'est aussi un des sujets importants sur lesquels on essaye d'appuyer, c'est qu'il y a un enjeu de reconnecter à la fois les acteurs de l'innovation, mais aussi plus largement le grand public, à c'est quoi l'industrie d'aujourd'hui. Parce que de suite, on pense à des grosses fumées, cheminées noires, etc. Alors qu'en fait, l'industrie, c'est la chaise sur laquelle vous êtes assise, c'est le téléphone que vous avez dans les mains, c'est la veste que vous avez sur les épaules, c'est ça l'industrie. Et donc l'idée, c'est de l'expliquer autant aux parents qu'aux enfants, que leur skate préféré, leurs chaussures de basket préférées, c'est ça l'industrie. En fait, c'est une chaîne de valeur, de métiers et d'étapes qui sont ajoutées les unes aux autres pour donner l'essence à un produit matériel ou un procédé industriel quand c'est le cas de produits consommables comme insectes ou d'autres. Donc, c'est ce dont on va essayer de discuter aujourd'hui avec mes chers intervenants. Tout d'abord, Anne-Sophie, est-ce que toi, qui es entrepreneur industriel depuis un certain nombre d'années maintenant, est-ce que tu pourrais expliquer en fait, le continuum entre les étapes de développement du projet de Doctibike et en même temps le financement? Quels sont les écueils que tu as pu rencontrer et les solutions que tu n'avais pas forcément à l'époque ou que tu as trouvées et celles que tu vois qui sont en train de se développer ou en tout cas qui sont nécessaires et que tu espères voir prochainement arriver sur le marché? Bien sûr. Alors pour démarrer, donc Doctibike, c'est une société qui est spécialisée dans la réparation, le reconditionnement et plus largement l'augmentation de la durée de vie des batteries pour la mobilité électrique, trottinette, vélo, scooter, moto. C'est ça notre métier. J'ai monté cette boîte en 2014. En 2014, c'était vraiment le début. Aujourd'hui, on parle de start-up partout, on parle de financement de l'innovation partout. Il faut se rappeler qu'en 2013-2014, moi, quand j'étais en master et que je disais « je veux monter une boîte », tout le monde me disait « mais pourquoi tu ne vas pas bosser chez LVMH, etc. ?» C'était le rêve de tous les étudiants en master 2, c'était de travailler dans des grands groupes. Aujourd'hui, on a vraiment un paradigme qui s'est complètement inversé, où on parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la start-up. Ça, c'est déjà la petite parenthèse. Donc, 2014, je monte ma boîte, et à ce moment-là, je me dis, il y a un problème sur le marché, la mobilité électrique se développe, tout le monde, demain, va avoir un vélo assistance électrique pour aller au travail, etc. Il faut trouver une solution pour augmenter la durée de vie des batteries. Je démarre dans le garage de mes parents avec 1000 euros de ma grand-mère. Et là, je me dis, tiens, je vais faire un peu de chiffre d'affaires. Première année, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires.
Je montre que bon, bah, c'est, y a un intérêt, il y a des magasins de vélos qui sont intéressés, Intersport, Decathlon, etc. Et puis ensuite, on se dit, bon, là, il faut vraiment monter une équipe, une vraie start-up pour pouvoir aller chercher le marché. Donc là, je m'associe avec Pierre Francisco, qui est mon CTO. Je trouve une équipe. Et première étape de financement, c'est finalement la banque. Le premier interlocuteur qu'on a, c'est la banque. Donc, je démarre avec un prêt d'honneur de 10 000 euros, un prêt bancaire qui vient s'adosser à ça, et j'arrive à trouver un financement global de 50 000 euros, ce qui me permet de faire ma deuxième année et de monter à peu près à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Troisième étape, ce sont les business angels. Donc, les business angels, c'est vraiment l'étape qui a été pour moi entre 300 000 et 800 000 euros de chiffre d'affaires. C'est le moment où on passe finalement de l'idée du projet à finalement la première étape d'entreprise, où on a 5-6 salariés, à ce moment-là on avait 1500 clients, on était implanté dans des réseaux de magasins en France et on démarrait à l'international. Les business angels, on les a rencontrés par plusieurs biais, des associations de business angels et également du réseau. Partager, trouver aussi des événements sur lesquels on pouvait présenter la boîte, et c'est comme ça qu'on les a rencontrés. Donc c'est cette partie-là, Business Angel, aujourd'hui, je pense, est très importante dans le développement d'une entreprise, parce que c'est un petit peu la traversée du désert entre la création de la boîte et la partie vraiment projet, où là, on a un certain nombre de subventions qui s'offrent à nous, un certain nombre d'appels à projets, etc., et le moment vraiment de la série A, où quand on veut faire une série A, on nous dit « Ok, t'as fait quoi comme chiffre d'affaires? Quelles sont tes ambitions? Et quel est ton niveau de rentabilité ?» Donc à ce moment-là, le business angel porte bien son nom. C'est l'ange qui permet de faire passer d'un projet à une entreprise. Et ce qui m'a un petit peu interpellée dans mes échanges avec les business angels à ce moment-là, c'est leur vision de l'entreprise. Et déjà en 2014... la vision des business angels était plutôt dans le numérique que dans l'industrie. Donc, ok, on t'accompagne, Anne-Sophie, on croit en toi, on croit en l'équipe, on croit en la boîte. Le reconditionnement de batterie, on en parlait très peu à l'époque, hein, c'était quelque chose d'assez innovant. Mais il m'accompagne, ok, très bien. Et puis ensuite, on arrive à 1,7 million de chiffre d'affaires, et là, on se dit, on a des clients en Allemagne, on a envie d'aller les voir un peu plus près, on a des clients en Belgique, on veut se développer. Et c'est à ce moment-là où finalement, il est très très important de se faire accompagner. Et on a rencontré un banquier d'affaires qui s'appelle Anthony Murgia, qui nous a accompagnés en fait d'abord dans notre stratégie de financement, qui nous a permis de nous poser un petit peu sur quelles étaient les prochaines étapes. Et puis qui nous a permis aussi de rencontrer un certain nombre d'acteurs, de fonds d'investissement d'un côté et également d'industriels qui cherchaient à s'adosser à des startups pour aller plus vite sur un marché. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question, Éléonore, les différentes étapes. Ce qui a été un peu plus compliqué pour moi, ça a été l'étape finalement entre les 500 000 et le million d'euros de chiffre d'affaires, où là, aujourd'hui, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Ok, le projet commence à être correct, on a un marché, on a des clients. Pour autant, on n'est pas encore à un niveau de rentabilité ou de chiffre d'affaires qui peut vraiment faire waouh, comme d'autres projets dans la tech peuvent présenter au fond. Donc ça, c'est un point où vraiment il faut réussir à se faire accompagner, parce que je pense que c'est un moment charnière pour l'entrepreneur, où soit on arrive à passer cette étape et ensuite la boîte fait 5, 10, 15, 20 et plus millions d'euros de chiffre d'affaires et on crée de l'emploi et on y va. Et comme tu disais très justement, dans l'industrie, moi chez Doctibac, j'embauche à la fois des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, vraiment tous les corps de métier, et ça c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sortent d'école qui ont besoin aussi de trouver des rôles modèles dans nos start-up industrielles, et ça c'est un point qui est important qu'on n'offre pas dans la tech. On a plutôt des profils qui sont très très hauts en niveau d'études, et dans la tech on a, dans l'industrie on a autre chose à proposer.
Et c'est vraiment cette étape-là où, si on ne trouve pas le bon interlocuteur et la personne qui va nous accompagner à chercher les financements complémentaires, ça peut s'arrêter, quoi. Justement, en deux minutes, qu'est-ce que tu as choisi, toi, entre t'associer à un partenaire ou aller avec des fonds? Et peut-être, la personne qui t'a accompagné, c'est vraiment un profil banquier d'affaires aussi, qui a une expertise dans l'accompagnement à la fois des ETI et des startups. C'est peut-être aussi ce qui a permis d'aboutir à la solution que tu vas nous présenter. Complètement. Donc moi, j'ai rencontré un certain nombre de... Le process a démarré en avril, j'ai rencontré un certain nombre de fonds, dont deux qui m'entourent, et j'ai rencontré aussi des industriels. Et donc j'ai choisi plutôt le rapprochement industriel. La raison est simple, c'est comment on fait pour aller beaucoup plus vite sur notre marché. Et d'un côté, avec un fonds d'investissement, j'avais un apport purement financier, et également de conseil, mais pas de conseil opérationnel, je veux dire. Et de l'autre côté, dans le rapprochement industriel, j'avais vraiment un accélérateur opérationnel. Aujourd'hui, on a choisi de se rapprocher d'un industriel qui s'appelle Green Riders Group, qui était déjà à un niveau plus important que le nôtre, 100 personnes, une équipe commerciale, une équipe à l'international, ce qui nous permet tout de suite de passer deux gaps de croissance très très rapidement, et par rapport à la concurrence qui s'installait dans mon métier, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. J'ai en plus la possibilité j'ai eu la possibilité du coup d'occuper le poste de directrice générale du groupe, ce qui m'a permis en fait d'avoir aussi une vision beaucoup plus globale de mon métier, et je trouve que cette alliance elle est gagnante dans le sens où ça permet à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite sur son marché, de créer un leader national voire européen en s'alliant, parce que finalement quand on lève des fonds, on n'est pas sûr du résultat, hein, on a beau avoir la meilleure équipe, le meilleur produit, etc., il faut de toute façon continuer à cavaler, et puis peut-être que dans 5 ans on arrivera à l'objectif, mais on le voit, on a des crises, on a des problématiques qui peuvent nous arriver et qui peuvent arrêter la croissance de l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi cette solution. Merci Anne-Sophie. Et donc justement, Sarah, toi qui es au sein de Founders Future, tu as créé dans Founders Future une partie Impact. À la base, Founders Future, c'est plutôt orienté sur le numérique. Donc moi, on n'est pas là pour opposer aujourd'hui numérique et industrie. C'est plus que les outils et les accompagnements aujourd'hui proposés dans l'écosystème s'adressent plutôt aux spécificités d'un projet numérique, et on se rend compte que les projets industriels ont des besoins différents. Néanmoins, évidemment, beaucoup de projets industriels intègrent des briques numériques, évidemment. Donc je voulais juste remettre, pour être sûr qu'on n'est pas du tout dans l'opposition, c'est plus qu'aujourd'hui, l'écosystème a été développé plutôt en faveur des projets numériques, ce qui a donné des résultats effectivement positifs, on le voit tous les jours avec le développement de nouvelles licornes. Mais effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est que cet écosystème puisse évoluer pour être aussi favorable aux projets industriels. Et on voit qu'il y a besoin d'évoluer à la fois dans les lieux proposés, parce que les espaces de coworking avec des bureaux et des baby-foot, malheureusement, ça ne répond pas au besoin d'avoir un atelier, de faire du bruit, du sale, du chaud, du froid, de la poussière, du stockage, du chargement, des chargements. D'avoir des développeurs web, d'un côté, c'est bien, mais il nous faut des techniciens, des opérateurs de maintenance, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs systèmes embarqués, des ingénieurs mécatroniques. Et il nous faut aussi donc des financements. Il y a des fonds donc, qui savent très bien financer le numérique et qui cherchent aujourd'hui à s'adapter pour financer. En fait, entre toi, tu es venu à l'industrie par l'impact, si tu veux nous expliquer comment. Exactement. Alors nous, en effet, on vient plutôt de la tech et du digital. Hein. Founders Future, c'est un fonds qui a été créé par un entrepreneur de la tech, donc Marc Ménazé, qui a pas mal entrepris dans sa vie et qui a été business angel très longtemps, enfin quelques années, et qui a décidé en 2018 de créer sa propre structure, d'investir son argent et de s'associer à d'autres investisseurs, plutôt des entrepreneurs. Donc ça, c'est une de nos spécificités. On est vraiment un fonds d'entrepreneurs. On a plutôt des familles, des entrepreneurs qui sont toujours à la tête de leurs entreprises, qui sont investisseurs. On n'a pas d'institutionnel dans le fonds. Et donc, la thèse de Founders Future, il faut bien comprendre ça pour voir d'où on vient. Et c'est intéressant de comprendre l'ADN. Marc, ce qui a marché pour lui en tant que business angel, ça a été d'investir dans des modèles qu'il comprenait. Et en effet, les modèles de la tech et du digital,
tels qu'on les connaît sont assez différents des modèles de l'industrie. Et donc, quand il a créé Find Our Future, il a commencé à investir en B2B et en B2C. C'est aussi une de nos spécificités. J'entendais tout à l'heure dans le précédent débat qu'il y avait peu d'investisseurs qui investissaient dans le B2C, ce qui est vrai. On est assez... En tout cas, on rencontre assez peu d'investisseurs, en tout cas en phase d'amorçage. Donc on investit et en B2B et en B2C, mais dans des modèles qu'on comprend, donc plutôt des modèles de marketplace, de SaaS B2B, d'app ou de marques, ces fameuses marques qui émergent et qui se lancent en digital. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du premier fonds. C'est un fonds qui fait 50 millions d'euros et qui investit en amorçage, donc dans les premières années de vie de l'entreprise. Et au fur et à mesure, puisque ça fait quelques années que le fonds existe, donc depuis 2018, on a vu émerger toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'opposaient plus impact et business et qui plaçaient vraiment l'impact au cœur de leurs entreprises, de leurs projets business. Et donc, Find Our Future a commencé à les financer, mais toujours avec cette approche très de modèle, de bien comprendre et d'être un investisseur qui... créer de la valeur. On disait tout à l'heure que d'apporter juste du financement, ça a finalement plus trop de sens. Notamment, il y a beaucoup de compétition dans le monde du venture. Il faut aussi créer un maximum de valeur, accompagner de façon très opérationnelle les entreprises. Et donc, on a vu émerger tout un tas d'innovations sociétales, sociales, environnementales dans le digital, en tout cas qui émanent de cette culture digitale. Je vous donne quelques exemples. Yuka, qu'on ne présente plus donc, dans la transition alimentaire, hein, qui est une innovation plutôt d'usage. On parlait de valorisation tout à l'heure. Je ne sais pas qui arrivera à valoriser une boîte comme Yuka aujourd'hui. Néanmoins, il y a une utilisation. Ça a changé vraiment les usages dans l'alimentaire. On a investi dans des modèles, donc dans le food, dans une entreprise qui s'appelle La Fourche, sur justement comment est-ce qu'on peut rendre accessible le bio. Donc c'est des modèles qui viennent du digital, en tout cas qui ont observé les consommateurs et ont proposé des solutions qui sont des innovations plutôt d'usage, qui viennent du digital, mais néanmoins dans leur développement, qui ont besoin de technologies. Je prends La Fourche notamment... ils viennent de faire leur série B pour investir dans un entrepôt et s'industrialiser. Donc voilà, il y a des phases d'industrialisation derrière. Et donc la conviction, c'était de se dire que, en fait, il y avait toute cette nouvelle génération qui avait besoin de davantage de financement, en tout cas en amorçage, et qui avait compris que sur certains secteurs et certains pans de notre économie, l'impact, la finalité sociétale, environnementale, allait être la clé et qui était vraiment au cœur de l'entreprise. Et donc on a décidé, il y a un petit peu plus d'un an, moi j'ai rejoint l'aventure pour lancer ce nouveau fonds, donc un nouveau véhicule dédié à de l'investissement impact en amorçage, donc qui s'appelle Find Our Future Good, et qui investit dans quelques grandes verticales. Donc nous, on a pris vraiment une approche assez sectorielle en se reposant sur toute l'expertise de Find Our Future. Donc on reste un investisseur plutôt digital tech, mais néanmoins, et c'est le sujet, on ne peut pas s'affranchir de l'industrie, en tout cas si on aborde les sujets d'impact. Peut-être qu'on en reparlera, mais donc on a choisi quatre grandes verticales, la transition alimentaire, toujours, mais un peu moins de food tech et donc de modèles tech digitaux de distribution alimentaire, mais là on va s'intéresser plutôt aux nouveaux modes de production. Et donc là on est obligé de regarder le sujet de l'industrialisation. Un de nos premiers investissements, c'est dans une entreprise qui s'appelle Jungle, qui fait des fermes verticales. Donc qui adresse le sujet du hors-sol. Donc construire des fermes verticales, il y a un sujet industriel. Et peut-être que j'y reviendrai après, mais on a décidé d'investir aux côtés de Demeter, qui a beaucoup dérisqué ce type d'opportunité, puisque aujourd'hui, le sous-jacent industriel est assez compliqué pour nous à challenger, parce qu'on ne vient pas de ce monde-là. Et donc on essaye de s'associer à d'autres investisseurs et de travailler en écosystème pour être sûr de mettre autour de la table, en tout cas, les bons investisseurs et de challenger vraiment ces modèles qu'on comprend peut-être un peu moins. Néanmoins, Jungle a une stratégie commerciale forte. C'est des sujets qu'on arrive à bien appréhender et bien lire, le go-to-market, etc. Donc ça, c'est sur la partie alimentaire. Deuxième sujet sur l'économie circulaire. Là aussi, on regarde aussi bien des sujets... Donc,
parle beaucoup de la seconde main. Je crois que bon, l'économie circulaire, c'est aujourd'hui, ce n'est pas tant un secteur qu'un modèle qui touche tous les secteurs. Je crois que la problématique du déchet est un peu partout. Et tu l'illustres très très bien. Donc le reconditionnement, enfin, tous ces nouveaux modèles sont des innovations d'usage, mais avec derrière très souvent une composante industrielle clé. Que ce soit sur tout type de sujet, là on parlait du reconditionnement des batteries, mais nous on regarde beaucoup dans l'industrie textile sur tout ce qui est lié aux déchets textiles, dans la construction, etc. Un sujet qui est assez connexe aussi qu'on a choisi, qui est le packaging responsable. Donc vous voyez que tous ces sujets émanent vraiment du consommateur final, d'une transition forte qu'on observe, d'une tendance de fond. Qui sont des innovations d'usage, mais derrière où il y a des sujets industriels clés. Je pense notamment au packaging responsable, comment on réinvente demain des biomatériaux, parce que c'est une chose de supprimer le plastique à usage unique, c'en est une autre de proposer des solutions, des alternatives qui soient facilement demain industrialisables. Donc ça, c'est un des sujets qu'on regarde et dans lesquels on investit. Et un des derniers sujets qu'on a choisi, c'est la mobilité, et donc comment est-ce qu'on développe l'électrique, toutes ces nouvelles mobilités douces, et on ne peut pas adresser ce sujet sans adresser la problématique du hardware. Donc c'est un de nos derniers investissements dans une société qui s'appelle Bloom, qui fait un peu le Veligo-like, mais qui est un acteur privé. Donc on dirait qu'il fait la suite du Veligo, donc un abonnement à des vélos électriques en ville. Là aussi, il y a un sujet hardware assez fort qu'on a dû regarder, adresser et se poser toutes les bonnes questions et mettre autour de la table les bons investisseurs. Donc aujourd'hui, tout ça pour résumer que nous, dans notre thèse d'investissement, on investit assez tôt dans ces entreprises, donc on doit projeter beaucoup les choses. On n'est pas des investisseurs de modèles industriels, mais néanmoins, comme je disais, quand on adresse l'impact et tous ces nouveaux business, on est obligé de se poser la question de l'industrialisation de toutes ces nouvelles filières et tous ces nouveaux secteurs. Oui, et donc du coup, tu dis que pour contrer un peu votre manque de culture, on va dire, de l'industrie, donc vous vous associez à des fonds industriels. Est-ce qu'il y a d'autres actions ou moyens que vous mettez en œuvre pour pouvoir quand même suivre ces projets? Je crois que la première chose, c'est en effet de travailler un maximum en écosystème, de travailler avec tous les acteurs qui touchent de près ou de loin ces sujets industriels, que ce soit des accélérateurs, des réseaux de business angels, que ce soit des fonds. Donc ça, c'est très important. On a, comme vous l'avez compris, choisi des secteurs aussi qui étaient des secteurs déjà qui étaient encouragés fortement par la réglementation. Je pense à l'économie circulaire. Aujourd'hui, la loi AGEC montre bien ça va dans le bon sens, et en tout cas, il y a énormément d'opportunités de business qui vont émerger. La réglementation est favorable, donc nous, on veut s'inscrire là-dedans, dans un cadre réglementaire, et je crois beaucoup à ça. Des sujets, des stratégies françaises de quand on parle d'industrie, de quelle industrie on parle. Donc nous, on a choisi, je pense notamment la transition alimentaire, il y a le sujet de l'alternative aux protéines qui fait partie des grandes stratégies de la France d'investissement. On parle de la mobilité électrique, ça fait partie aussi des secteurs qui vont être encouragés fortement en termes de financement et de réglementation. Je crois que c'est important de s'inscrire aussi dans un cadre, et après de choisir des sujets où on a une, surtout quand on investit en amorçage, une forte conviction sur un marché. Donc nous, on investit parce qu'on croit qu'il y a un potentiel derrière de marché, de clients, qu'il y a une profondeur forte de marché, et que toute cette nouvelle offre responsable, ces nouveaux business à impact vont devenir la norme. Et on dit souvent qu'on veut investir dans des catégories leaders, qu'en gros, sur l'alimentaire, on va investir dans ces nouvelles boîtes qui vont réinventer l'alimentation plus responsable. La fourche, on pense qu'il y a il y a une profondeur de marché énorme pour donner plus d'accès aux produits bio en intervenant sur les prix. Sur l'électrique, je pense que c'est plus à démontrer, mais aujourd'hui, le vélo électrique est de plus en plus développé, la pratique, en tout cas dans les grandes villes. Donc on va là où on a des fortes convictions sur des sujets. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de regarder là où il y a des marchés et des innovations très fortes d'un point de vue de leur utilité sociale, sociétale.
Super, merci Sarah. Et comme tu le disais, en fait, l'économie circulaire, ce n'est pas un secteur, c'est vraiment un modèle, c'est une démarche. Et c'est aussi un des points qu'on porte au sein du collectif Startup Industrielle France, c'est que quitte à réinventer l'industrie et à redévelopper un écosystème favorable à l'amorçage industriel, eh ben, ne pas autant éviter de réinventer le charbon. Et donc, du coup, d'expliquer que l'industrie et l'économie circulaire ne s'opposent pas, mais au contraire sont indissociables, et que ça s'applique à tous les produits ou procédés, même si eux-mêmes, après, n'ont pas un rôle écologique et social dans leur utilisation. Une chaise n'a aucun rôle écologique et social, hein, c'est juste fonctionnel de pouvoir s'asseoir. Mais une chaise, elle peut être produite en Asie, dans des conditions sociales douteuses, en multimatériaux, non réparables, non recyclables, vendus à l'unité. Ou elle peut être produite en France, par quelqu'un payé à sa juste valeur, en monomatériaux, réparables, recyclables et vendus à l'usage. Donc ce qu'on veut vraiment expliquer, c'est que vraiment l'économie circulaire, c'est une démarche avant tout. Et c'est pour ça qu'on parle d'industrie circulaire. Et donc, dans les différents groupes de travail qu'on porte au sein du collectif, on a aussi un groupe de travail dédié à l'industrie circulaire pour expliquer que l'économie circulaire, ça s'applique à toutes les étapes de la chaîne de valeur de développement d'un projet. Et je parle bien du projet parce que ce n'est pas que le produit. On voit que le business model autour de ce projet évolue également puisqu'on parle plus, on parle d'économie de la fonctionnalité. On va mettre en avant tout d'abord l'usage plutôt que la possession. Donc on va beaucoup avoir de systèmes d'offres servicielles, hein, de SaaS finalement. Donc on a des produits hardware avec un modèle business model SaaS. Et donc ça se développe de plus en plus. Et c'est de l'économie de la fonctionnalité. Et c'est finalement quelque chose qu'on fait depuis très longtemps dans les véhicules. Hein. Depuis très longtemps, on peut louer des voitures. Et bien, finalement, c'est de l'économie de la fonctionnalité. Pour faire cette transition, on va maintenant tourner vers Albin Jourda. Donc Albin, toi tu es depuis plus d'une vingtaine d'années, on faisait le compte la semaine dernière, investisseur, en tout cas leveur de fonds pour des projets orientés clean tech. Donc je rappelle, les clean technologies, ce sont toutes les innovations technologiques à impact positif pour l'environnement. On les raccorde très souvent à l'énergie, mais finalement, ce que fait DoctiBike est une clean tech. Donc toi, tu as déjà 20 ans d'expérience et je voulais que tu nous fasses un peu part de pourquoi tu t'étais positionné à un certain niveau d'investissement et que les tickets en dessous, bah, malheureusement, tu ne pouvais pas les accompagner jusqu'à récemment. Et pourquoi tu as rejoint Demeter récemment pour potentiellement s'adresser à un niveau d'amorçage plus tôt. Ben, effectivement, moi j'ai démarré dans ce secteur des clean tech. Alors, clean tech, c'est un mot qui vient des États-Unis, hein, qui à la base décrit l'ensemble des technologies et des process innovants qui permettent d'améliorer un procédé industriel et de réduire son empreinte environnementale. Donc on voit que c'est un thème qui n'est pas nouveau. Hein. En 2000, c'est Clean Tech Group qui a lancé ce terme-là. Si on regarde la littérature, on parlait de circularité depuis les années 70. Il y a énormément de choses qui étaient développées autour de tous ces concepts-là. Et je dirais qu'il a fallu attendre début des années 2000 pour commencer à en parler aux États-Unis. En Europe, c'est venu beaucoup plus lentement et c'est arrivé encore plus récemment avec, je dirais, les enjeux climatiques que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé à démarrer ma carrière aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, en fait, en banque d'affaires. On parlait des banques d'affaires tout à l'heure. Et dans une banque d'affaires qui avait lancé le premier véhicule d'investissement dans les clean tech, en fait, en 2000. Et à cette occasion-là, on voyait des dossiers plutôt dans le solaire, dans l'éolien, plutôt dans des projets d'infrastructure. J'ai eu l'occasion de voir le projet d'Elon Musk à l'époque, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, avait une faible connotation digitale dans son pitch. En fait, on a vraiment l'impression d'investir dans une voiture électrique. Et en fait, il avait bien caché son jeu, entre guillemets, sur la brique digitale. Il l'a fait apparaître beaucoup plus tard. Et tout ça pour dire que je suis rentré en France quelques années plus tard et en côtoyant beaucoup de laboratoires et d'universités, je me suis aperçu qu'en France, on avait un vrai savoir-faire, on avait du talent dans ce domaine-là. On avait énormément de recherches fondamentales qui avaient été faites. Et pour la petite histoire, voilà, moi j'ai lancé un portail en 2008 qui s'appelait French Clean Tech. L'idée, c'était de fédérer toutes les innovations clean tech françaises. Parce que vu des États-Unis, on avait toujours l'impression que la recherche était assez dispersée, qu'en Europe, on avait du mal à formaliser les choses. Et en challenge, je me suis dit, je vais faire une vitrine techno pour montrer aux Américains ce qu'on sait faire. Et connecter les start-up et les industriels et les investisseurs. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans l'intervention que j'ai entendue juste avant, j'ai entendu plein de mots-clés, j'ai entendu chaîne de valeur, j'ai entendu collaboration.
Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est là. C'est-à-dire que dans ce domaine des clean tech que j'observe depuis 20 ans, ce qui nous a manqué un peu en France, et ce que j'observe, moi, dans des dossiers d'investissement que j'ai vus, et j'en parlais avec Anne-Sophie juste avant, c'est que la collaboration est fondamentale. Dans les premiers dossiers que j'ai accompagnés à gros financement, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui avaient créé des bonnes collaborations. Aux États-Unis, j'étais toujours surpris quand je voyais des dossiers d'investissement qui arrivaient chez nous. Même chez des toutes petites sociétés, ils avaient déjà noué plein de partenariats, en fait. Et quand je suis rentré en France, je voyais énormément de gens seuls qui arrivaient avec leurs projets, qui les posaient sur la table et qui me disaient, voilà, je veux du financement. Et en fait, ce rapport à la collaboration, je pense que franchement, il a bien évolué, parce qu'en plus, il y a une jeune génération qui est arrivée, qui est beaucoup plus collaborative qu'avant. Mais on a encore un peu de progrès, je pense, là-dessus. Je rebondis là-dessus parce qu'on parlait de chaîne de valeur tout à l'heure. Et bien observer sa chaîne de valeur en amont, en aval, c'est la base. C'est vraiment la première des choses qu'il faut faire quand on a un projet innovant. Parce que finalement, des fois, on va chercher du financement, mais on n'a pas forcément besoin tout de suite de financement. On a besoin d'abord d'une bonne collaboration qui va sécuriser le dossier, qui va l'amener à maturité et qui va l'amener à être regardé par des investisseurs qui ont une aversion au risque un peu forte. Voilà. Et pour finir sur les tickets d'investissement, effectivement, donc, on voyait plutôt des gros tickets au avant. Et puis, après est arrivé des projets qui avaient besoin de tickets un peu plus petits. Et en fait, ils étaient à dimension industrielle. Pour la plupart, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui fait plaisir. La problématique de ces dossiers-là, c'est qu'ils ont besoin de capital long, on l'a dit tout à l'heure. Il faut des fonds qui ont une durée de 10 ans pour le temps de leur laisser faire leur ramp-up et se développer. Et puis, ils ont besoin d'un continuum de financement. C'est ce qui a beaucoup manqué à pas mal de projets. C'est-à-dire qu'il était facile de trouver des business angels, il était facile de trouver un premier fonds, mais après, il y a un moment, il y avait un grand vide et le continuum était cassé, en fait. Et là, tout le monde était en phase de risque, aussi bien les investisseurs qui avaient mis de l'argent que l'entreprise, et tout le monde était en panique. Voilà. Et aujourd'hui, on en parlera après, c'est l'enjeu du fonds que d'émetteur pilote, qui est un fonds d'amorçage industriel qui a été lancé par la métropole de Lyon et de Saint-Etienne. Comme vous le savez, la région lyonnaise est une région riche au niveau industriel, métallurgie, pharma, chimie, énergie. Et ce fonds, en fait, a vocation à pallier cette traversée du désert au moment où il faut remettre des tickets d'investissement pour faire le scale-up et développer la boîte. Donc, c'est un fonds qui est financé en partie par la métropole de Lyon et de Saint-Etienne, à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros, soutenu par la Banque des Territoires. Le closing de la première phase du fonds va être annoncé cette semaine. Vous allez voir par un communiqué de presse qui va sortir. Et ce fonds aura vocation à gérer 80 millions d'euros sur une durée longue, une durée de 12 ans, avec une vocation de financer à peu près 24 entreprises, le but étant d'assurer un continuum. Donc mettre un premier ticket, remettre, pour vraiment faire le suivi de la boîte au fil de l'eau. J'insiste sur ce continuum parce que vraiment, même pour des startups qui seraient là, avant de choisir un investisseur, regardez bien si votre investisseur, en tout cas, est à même de remettre au pot un moment, parce que sur la dimension industrielle, c'est fondamental. Et ça peut vraiment vous bloquer. Qu'est-ce que je peux dire sur ce fonds ? Bah, juste un dernier point, les tickets vont être à peu près de 500 000 euros à 8 millions d'euros, donc le spectre est assez large, sur de l'amorçage, du capital risque, et principalement, pour l'instant, sur les territoires lyonnais et Saint-Etienne, sachant que si ce fonds se développe bien, il aura peut-être vocation à se développer dans d'autres régions également. Voilà. Et donc un vrai ancrage territorial et aussi donc il répond vraiment, en fait, nous dans le collectif, on a défini un peu un modèle qu'on appelle le modèle 3-3-3, donc 300 000, 3 millions, 30 millions, c'est des ordres de grandeur, mais c'est en moyenne les tickets dont ont besoin les entrepreneurs en fonction de chacune des phases de leur développement, R&D prototypage, pré-industrialisation, grande série. Et c'est vrai qu'en fait, moi, donc, je connais Alban depuis longtemps, et quand pour mon projet, puis pour ceux de nos camarades, Dantec était là tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on discute sur ces sujets-là, Alban, il me disait toujours, Eleonore, t'as besoin que de 3 millions. Moi, 3, dont 1,5 million ou 2 en fonds propres, le reste, ta banque et BPI. Moi, 3 millions, je ne sais pas faire. Si tu as besoin de 5 ou plus, je pourrais te trouver des fonds,
Mais en dessous de ça, je ne peux pas t'aider. Et puis, quand j'allais voir les business angels ou les petits fonds d'amorçage impact ou non impact de la place parisienne, ils nous disaient, non, mais nous, on fait entre 300, 500 jusqu'à 800 000, mais on n'ira pas. Et donc, du coup, il y avait toujours en fait, cette fourchette entre 800 000, 1 million et 5 millions où il y avait vraiment un trou béant. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer une thèse d'investissement idéale qu'on a soumis à BPI France et qu'on espère, en tout cas on échange régulièrement sur le sujet, à laquelle il y aura une réponse qui va être transmise dans le cadre de France 2030 pour que des fonds d'amorçage se positionnent sur ces créneaux-là où finalement il faut un peu la culture industrielle d'un fonds CapDev avec la culture du risque d'un fonds amorçage. Donc c'est des nouveaux fonds à créer, ils peuvent être sur le modèle des fonds Evergreen, avec des tickets d'investissement de 8 à 10 ans, des durées d'investissement de 8 à 10 ans et des tickets de 1 à 5 millions d'euros. Et donc ça c'est la question du financement, mais on en a parlé, c'est un écosystème dont l'entrepreneur a besoin et notamment aussi de lieux adaptés à la pré-industrialisation. Puisque quand on est en R&D de prototypage, on a un incubateur avec un Fab Lab au coin de sa rue où on peut prototyper, faire son MVP. Éventuellement, on fait un partenariat avec les Compagnons du Devoir du Tour de France ou une école d'ingénieurs dans laquelle on peut utiliser les outillages de l'école. Mais dès qu'on veut avoir son propre atelier, faire ses premières séries du stockage, du chargement, déchargement, aujourd'hui, du point de vue foncier, en fait, c'est très difficile de trouver des surfaces de 100 à 500 mètres carrés adaptées pour cette phase-là. Soit on nous donne 5000 m², ce qui est beaucoup trop grand, soit elles sont à Pétaouchnok, honnêtement, même pas accessibles en transport en commun, et souvent on a des stagiaires qui n'ont pas forcément le permis, donc comment on fait pour avoir nos ressources humaines sur place. Ou alors elles sont hors de prix, très rarement accessibles ou quasiment inexistantes, en fait, hein, concrètement. Donc du coup, il existe des acteurs, comme le groupe Archer, qui aident à contribuer au développement de ressources matérielles et humaines adaptés à ce développement-là et qui permettent aussi, dans le cadre du groupe Archer et de la Cité de la Chaussure, finalement, de maintenir aussi une industrie qui était vraiment vouée à disparaître et qui, par le fait d'avoir des micro-usines partout sur leur territoire, ont réussi à maintenir cette filière en France et aussi à répondre à des demandes nationales et internationales avec des gros volumes. Donc, je laisse Christophe nous en dire plus. Merci, bonjour à tous. Notre expérience de start-up, elle est à la marge et en même temps, elle résonne avec ce que j'ai entendu juste maintenant et également sur la première table ronde. Donc, en élément de contexte, donc nous, on est à Romans-sur-Isère, ça se trouve dans la Drôme, et Romans-sur-Isère, c'est l'ancienne capitale de la chaussure de luxe. Ça va redevenir la capitale de la chaussure, mais ça, je vous dirai pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 70, il y avait une personne sur deux qui vivait de la chaussure ou de tout ce qu'il y a autour de la chaussure, le cuir, les talons, etc. Sur un bassin de vie de 50 000 habitants, on ne peut pas mieux parler de mono-industrie. Donc vous imaginez le drame qu'a connu cette ville quand cette mono-industrie s'est effondrée en quelques années, quelques petites dizaines d'années. Ça a créé un niveau de chômage et de pauvreté qui était franchement pas publiable. Du coup, le Archer, au départ, c'était une association de solidarité envers les naufragés de la chaussure, parce que on est dans les années 80, 87 exactement. Et puis petit à petit, on est passé à une économie de la construction en devenant une entreprise de territoire. Une entreprise de territoire parce qu'on appartient à 125 actionnaires, dont une centaine sont sur le territoire de Romans. Et on est devenu un des plus gros employeurs du bassin, puisqu'on est presque 1000 salariés. Alors, entre-temps, la déconfiture de la chaussure continuait. Et donc, quand il y avait une entreprise un peu plus illustre qu'une autre qui coulait, il y avait une flopée de ministres qui descendaient sur notre bassin. Et ils disaient, on va relancer l'industrie de la chaussure. Ils mettaient des millions, ils ont mis des millions pour recréer de l'emploi. Ils ont mis un haut fonctionnaire pour gérer les millions. Moi, j'avais l'habitude de dire, là, ils ont déjà créé un emploi, mais en principe, ils s'arrêtaient là. Pourquoi? Parce que quand il y a un secteur qui a un modèle économique qui ne fonctionne plus, vous pouvez bien mettre tous les millions que vous voulez, et bien, ça ne marche pas. Et donc, nous, en gros, on a validé le fait que l'industrie de la chaussure, c'était morte, avec des chaînes où il y avait 40 personnes, avec des séries de chaussures toutes uniformes à plus de 150 000.
Et donc, on a validé qu'il pouvait exister un modèle économique pour des toutes petites activités, des tout petits ateliers extrêmement agiles qui sont sur des niches d'activités et qui peuvent s'en sortir à deux conditions. La première condition, c'est qu'ils travaillent ensemble et donc il y a plein de petits ateliers, puisque quand on est petit, on n'a plus la taille critique pour prendre des gros marchés. Il faut s'y mettre à plusieurs pour acheter du cuir, etc. Donc plein de petits ateliers. Et la deuxième condition, qui est un truc super important, et il me semble qu'on retrouve ça dans ces questions de relocalisation, c'est d'avoir la relation la plus directe possible avec nos clients, parce que dans la chaussure, la valeur ajoutée, c'était les intermédiaires qu'il a récupéré. Alors, on parle de financement, donc à chaque fois, je vous dirai un petit peu ce que ça voulait dire en termes de financement. Ben, nous, on a été les premiers à relancer une activité chaussure. Autant vous dire qu'il n'y avait pas une banque, même pour rire, à qui on a demandé un financement. Vous imaginez un secteur qui perd toutes ses entreprises. Et donc, c'est nos actionnaires qui ont cru et qui nous ont poussés. Et c'est grâce à eux et à des augmentations de capital qu'on a relancé l'activité chaussure. Et ensuite, on a mis en place une dynamique qui s'appelle Start-up de territoire. L'idée de Start-up de territoire, c'est que finalement, les start-up, elles trouvent un modèle économique avec un changement de posture des personnes ou en créant un nouveau besoin ou en améliorant un système. Et nous, on s'est dit, dans ce territoire qui souffre, il n'y a peut-être rien de mieux que les citoyens eux-mêmes qui pourraient nous dire quels sont leurs besoins. Et il y a moins de chances de se tromper si on répond à des besoins de personnes. Mais aussi, ça crée de l'appropriation, ça crée des changements de posture dans la manière de consommer, de travailler, de se déplacer, qui sont parfois les conditions même de réussite des modèles économiques. Et donc, on pensait aussi que les changements de posture, ça ne se décrète pas, ça se construit dans l'altérité. Et donc, concrètement, on fait des soirées d'idéation où on invite tout le territoire, pour nous, les citoyens. Ce n'est pas simplement ceux qui n'ont aucun rôle, c'est le maire, le directeur du travail, le chef d'entreprise, le chômeur, l'étudiant, le réfugié, tous ceux qui vivent sur un territoire. On travaille ensemble sur les besoins du territoire à partir des besoins du développement durable. Et puis, une fois qu'on a plein d'idées, le lendemain, on se repose. Et dans les mois et les semaines qui arrivent, on propose aux citoyens, avec des entrepreneurs, de mettre en place ces idées-là. Et donc, c'est un truc assez incroyable. On voit bien qu'il y a plein de gens qui ont des indignations et qu'il n'y a pas de véhicule aujourd'hui pour faire en sorte que ces indignations qui sont légitimes ça devienne de la construction de solutions. Et dans notre petit village, on a été jusqu'à 1492 dans des soirées d'idéation. Et donc, on travaille sur une cinquantaine de start-up aujourd'hui dans tous les secteurs, l'économie circulaire, l'alimentation, etc. Et dans ces idées-là, il y a eu l'idée de la cité de la chaussure. La cité de la chaussure, c'était de se dire, on va regrouper sur un même lieu l'ensemble des ateliers, plein d'ateliers différents, ça va accélérer les coopérations, c'est vrai. Quand on a une machine qui tombe en panne, et ben, si le collègue juste à côté, c'est plus facile pour lui de nous prêter sa machine. On va faire en sorte que ces ateliers soient visitables, parce qu'on pense que le changement de posture, il passe aussi par le fait de voir, moi mes chaussures elles valent 170 €, il y a des chaussures à 50 €, mais elles ne me font jamais un an, moi, les chaussures à 50 €. Celles-là, elles font des années. Mais donc quand on voit les gens fabriquer des chaussures, quand on leur explique ce que c'est une chaussure, comment il faut l'entretenir, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a un fort intérêt aussi de reconnecter l'habitant, le citoyen, avec c'est quoi l'industrie d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien, en fait, vous êtes devenu finalement une sorte d'accélérateur du territoire, parce que vous considériez peut-être que certains acteurs pouvaient faire mieux. Et donc, vous avez bénéficié d'un financement de la Caisse des dépôts et de Banque des territoires, aussi d'un PIA. On l'a vu, les habitants aussi ont contribué économiquement à développer cette logique d'accélération.
Et il y a aussi un vrai rôle que vous jouez dans le développement d'écoles de production et avec l'AFPA, en fait, de créer aussi finalement les compétences et les ressources humaines qui permettront de contribuer au développement de cette industrie, si vous voulez en dire quelques mots. Oui, il y a une question à la fois de formation, et donc c'est vrai qu'on a un peu créé un cercle vertueux aujourd'hui qui fait que le lycée professionnel a réinvesti, que l'AFPA refait des formations à la chaussure, mais adaptées aux nouveaux besoins de Roman. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de nouveaux entrants, on est mort. Et donc aujourd'hui, avec l'aide du programme d'investissement d'avenir, mais aussi de la profession, alors la profession c'est incroyable, le Centre National du Cuir, ils nous regardaient comme des... Ils nous ont dit, on n'a pas du tout cru à votre expérience, et ils nous disent aujourd'hui qu'on est un des espoirs du renouveau de la chaussure, nous tout petits à Romans. Et donc aujourd'hui, on a monté un petit incubateur financé par le PIA et par la profession, pour faire en sorte qu'il y ait des nouvelles start-up qui se créent autour du cuir et de la chaussure. Et finalement, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pour nous, mais je croyais être seul à dire ça, et finalement tout le monde le dit, mais pour nous, la question de l'innovation technologique, elle ne suffit pas parfois à régler des problèmes, il faut de l'innovation sociale. C'est pour ça qu'on est un territoire French Impact aujourd'hui. C'est-à-dire, on pense que la question de l'innovation sociétale doit s'allier à ces questions de technologie du numérique, parce qu'on a tous du numérique aujourd'hui, pour répondre aux vraies aspirations. Et ça nous intéresse parce que, à la fois, quand on répond aux aspirations de chacun d'entre nous, on travaille sur la question du vivre ensemble, et c'est aussi une source de développement importante, même si c'est du développement durable. Et c'est vraiment du développement du territoire, parce que maintenant, grâce à ces nouvelles activités que vous avez développées, vous arrivez à développer des nouvelles activités comme du tourisme industriel que vous valorisez grâce à des labels, et donc vous êtes même en train d'obtenir un label particulier. Oui, je me rappelle plus lequel. Enfin, on vient d'en obtenir un. Mais voilà. Oui. Mais en gros, il y a aussi un vrai rôle sur l'éducation, reconnecter le citoyen et attirer à la fois des talents, mais aussi tout simplement des consommateurs qui viennent visiter des usines et qui font du tourisme industriel. Ça me revient, c'est les labels effectivement du tourisme industriel qu'on vient d'obtenir. Et donc on voit qu'il y a vraiment ce triptyque financement, RH, compétences humaines, technique et évidemment aussi, donc c'est plus un triptyque, le rôle de l'éducation. Et donc on voit dans tout ça surtout que la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts est partout, autant dans le financement, dans le financement de fonds, que dans le financement de lieux. Et on le voit aujourd'hui, il y a un vrai besoin de développer des lieux adaptés à la pré-industrialisation ou peut-être d'adapter des lieux existants aux startups industrielles, parce que certains lieux ont été développés mais plutôt orientés pour les PME-ETI, et finalement les offres qu'elles proposent ne sont pas accessibles aux startups industrielles. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus de créer des lieux repères de l'industrie où les startups, quand elles commencent et qu'elles ont un produit en tête physique, bah, plutôt que d'aller voir un incubateur orienté uniquement numérique, elles puissent se tourner vers des lieux qui comprennent leurs spécificités, parce que c'est pas plus compliqué, c'est différent. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est différent. Et à partir du moment où on comprend les bases design to cost, moule, banc, test, comme maintenant on comprend Java, Python, e-commerce et blockchain, finalement on se rend compte que c'est pas si compliqué. C'est pas non plus toujours beaucoup plus long dans la rentabilité. D'Octibike, en 2 ans, il y avait de la profitabilité. Dantec, il l'a pas dit, mais en 5 ans, ils sont rentables. Donc c'est peut-être plus long que dans le numérique, c'est sûr, parce qu'il y en a en moins de 12 mois maintenant, ils font des choses incroyables. Mais néanmoins, d'avoir en 2 ans réussi à atteindre la rentabilité en 5 ans pour Dantec, on voit que ce n'est pas non plus 15 ans. Alors évidemment, ce n'est pas tous les projets non plus, mais on voit que c'est possible d'être un projet industriel rentable en moins de 5 ans. Ça existe. C'est juste que dans le développement, il y a une étape en plus qui est celle de la pré-industrialisation, qui est en plus, mais encore une fois, qui n'est pas forcément plus compliquée, mais qui est différente et à accompagner, autant dans les financements que dans les ressources humaines, que dans les lieux adaptés à ces projets. Oui. Dans tout ce qui a été dit dans la table ronde précédente et à l'instant, je pense que ce qui est le fait marquant, le fait du moment, ce qui crée une situation particulière, c'est que le regard sur l'industrie a fondamentalement changé en rupture avec 50 années de désindustrialisation. Et on a vu
au travers de la crise sanitaire, c'est peut-être la seule vertu qu'on peut y trouver, que on a sur les questions de souveraineté pris conscience de ce que ça pouvait vouloir dire, et on a aussi des industriels qui ont pris conscience que en étant confrontés à des ruptures de chaînes d'approvisionnement, on mettait le doigt sur une dépendance de l'industrie en France qui était assez dangereuse, et qu'il fallait revoir un petit peu les modèles dans lesquels on développait tout ça. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un consensus assez large, on a des décideurs publics, l'État, les collectivités territoriales, les industriels eux-mêmes qui ont envie de réindustrialiser, et je crois qu'il faut pouvoir saisir ce moment très particulier, et on le voit, il y a une multiplicité de projets qui se développent. Alors, au sein du groupe Caisse des dépôts, qui n'est pas partout, mais on essaie d'avoir une action complémentaire. Tout à l'heure, Guillaume Mortelier, pour BPI France, donnait la façon dont ils interviennent. BPI France intervient au sein de ce groupe principalement dans le financement des entreprises, c'est ce qu'on appelle le financement du contenu de l'entreprise elle-même, et la Banque des territoires, elle, intervient sur le contenant, c'est-à-dire l'écosystème. Alors, cet écosystème, c'est quoi ? Pour aller vite, on pourrait le résumer à 4 points. C'est d'abord apporter des solutions pour très concrètement permettre à une activité industrielle de se matérialiser, c'est-à-dire des solutions sur le foncier, l'aménagement du zone industrielle, l'immobilier d'entreprise. Il faut créer des usines, des murs, et c'est plutôt utile de pouvoir proposer des solutions qui permettent à des industriels de ne pas se préoccuper de choses qui sont finalement à la fois indispensables, mais pas centrales dans leur métier. Le cœur de métier d'un industriel, c'est de produire, c'est pas de s'occuper de construire les murs de son usine. La Banque des territoires peut apporter des solutions de financement pour construire des murs d'usine, et on est très fiers avec BPI France. Eux financent l'entreprise, ils ont financé par exemple Insect, nous avons financé les murs de l'usine d'Insect, ils ont financé l'Actips en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons financé les murs, et, oui, et je pourrais donner d'autres exemples. La deuxième élément de l'écosystème, c'est le fait que l'industrie ne peut pas se développer comme elle se développait il y a 50 ans, et que son impact environnemental doit être réduit pour d'abord des questions d'acceptabilité, puis tout simplement des questions de préservation de l'environnement. Et là-dessus, ce verdissement de l'industrie, nous l'accompagnons sur les utilités, accès à de l'énergie propre, solutions de gestion des déchets industriels, solutions de mobilité qui réduisent l'impact de l'utilisation du foncier, etc. Donc ça, c'est un deuxième élément de l'écosystème qui favorise le développement. Troisièmement, c'est ce qui a été évoqué à l'instant, c'est la question des RH, et c'est la question qu'on voit bien aujourd'hui apparaître, de la pénurie d'emplois qualifiés. Un industriel, pour fonctionner, il a besoin d'avoir des ingénieurs, des cadres intermédiaires, des ouvriers. On a besoin d'avoir des chaudronniers, on a besoin d'avoir des soudeurs. Et pour ça, il faut former des gens. Et bien aujourd'hui, on a des solutions de financement pour permettre à des écoles de production, au CNAM, au Centre AFPA, de se développer et faire que lorsqu'on veut créer sa boîte, lorsqu'on veut finaliser la mise en place de la production, on peut trouver sur un territoire donné des ressources humaines qualifiées. Et puis enfin, le dernier élément de l'écosystème, c'est ce qui découle de la crise que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question finalement je dirais des solidarités qui peuvent se faire en termes de business. C'est-à-dire, c'était évoqué tout à l'heure par le chef d'entreprise qui nous expliquait ce qu'il avait fait sur son lave-vaisselle. Il nous expliquait qu'en Vendée, il traversait la zone industrielle et il avait un fournisseur. Eh bien, on veut donner la possibilité de réfléchir à la structuration des chaînes d'approvisionnement. On a la particularité d'être un pays qui est très dépendant en termes de chaînes d'approvisionnement. Les industriels aujourd'hui ont des fournisseurs qui sont loin. C'est le résultat d'un processus qui a conduit des industriels jusqu'au tournant des années 90-2000 à externaliser énormément. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de vivre dans une projection idyllique et qui serait irréelle de considérer qu'on va tout réinternaliser. Mais aujourd'hui, sécuriser, diversifier les chaînes d'approvisionnement, ça a du sens, et puis ça permet de créer un terreau de développement local qui est très fort. Et on développe en particulier avec les conseils régionaux, je pense au Grand Est, à la région Centre-Val de Loire, avec la région Hauts-de-France, en la région Occitanie, des études où on essaie par filière,
à l'échelle régionale, de faire réfléchir à la réorganisation de ces chaînes d'approvisionnement. Permettre à un chef d'entreprise d'analyser son carnet de fournisseurs et de se dire, est-ce que vraiment je ne peux pas travailler différemment, je ne peux pas m'appuyer sur une entreprise qui est à 100 km de chez moi, mais qui pourrait m'offrir une sécurité face à des aléas, qu'ils soient sanitaires comme celui qu'on vit, ou climatiques, qui risquent de me fragiliser, et en plus permettre d'avoir un développement local fort. Alors, voilà les solutions qu'on veut pouvoir développer. Et alors, dans ces solutions, pour rentrer dans le détail, puisqu'on en a beaucoup parlé avec Léonore, il y a aussi des solutions matérielles et permettre à des start-up industrielles d'avoir des locaux adaptés qui leur permettent, en effet, de faire de la production. C'est pas des bureaux qui permettent de faire ça, mais d'avoir donc des solutions. Et on va essayer ensemble, avec d'autres partenaires, avec les collectivités territoriales, parce que ça partira d'elles, de trouver des solutions de financement pour créer dans chaque région des lieux qui permettraient à des start-up industriels de franchir cette étape très particulière, hein, du prototype à la série, qui est ce moment très, très spécifique à l'activité industrielle. Ça ne se fait pas dans le reste de l'économie, et pour franchir ce cap-là, c'est vraiment très important. Je voudrais juste finir par juste une réaction peut-être un peu plus personnelle. Je pense qu'il faudrait qu'on évite de vivre dans le syndrome Tesla. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, même si ça a été fait avec beaucoup de distance. La réussite du développement industriel dans notre pays ne passera pas par la création d'une réussite absolue, puisque c'est comme ça qu'elle est un peu présentée, même si c'est forcément réducteur. Voilà, il n'y a pas que Tesla. Et moi, je préfère avoir, et la Banque des Territoires préfère financer 50 projets bien adaptés à ces territoires, qui se développent, qui s'appuient sur des écoles de production, qui s'appuient sur un terrain où les entreprises travaillent entre elles, plutôt que de vivre dans la vision un peu chimérique de la réussite, d'une réussite qui serait énorme et qui écraserait tout. Je crois que c'est une erreur, et que le développement local, c'est pas ça. Enfin, ce que vous décriviez autour de Romans en est la démonstration, et qu'il y a les vraies pépites, c'est les bons projets bien adaptés à leur territoire et bien formatés. Et c'est pas forcément la multinationale, il en faut des multinationales, bien évidemment, mais finalement, celles-là, elles n'ont pas forcément besoin de l'énergie qu'on évoquait pour pouvoir se déployer. En revanche, ce qui est utile en termes d'énergie, c'est d'aider des projets qui ne sont pas exactement dans les cases. Ce que tu décrivais, on s'adresse à ceux qui ne trouvent pas des solutions d'emblée. Tous ceux qui trouvent des solutions d'emblée, ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin des pouvoirs publics, ils n'ont pas besoin. Ils se développent et c'est très bien. En revanche, il y a plein de projets qui peuvent ne pas voir le jour parce qu'on n'a pas su bien les aider. Et je pense que si on fait l'effort de trouver des solutions pour ces projets-là, on aura plein de belles réussites, bien adaptées, et on ne vivra pas avec le long remords de ne pas avoir le projet mondial qui écrase tout. Merci François, très intéressant, et c'est là où ça va être un challenge de faire entendre cette vision avec la vision des fonds, où les fonds, c'est vrai, recherchent souvent la pépite incroyable qui va décoller, donc le Tesla et la Caisse des Territoires, qui donc la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires, qui recherche effectivement à créer du développement local au niveau national. Donc il faut réussir à faire se rencontrer ces deux visions. Et il y a un enjeu donc pour récapituler un peu les échanges qu'on vient d'avoir. Donc déjà de bien comprendre finalement les spécificités d'une start-up industrielle, le vocabulaire qu'elle utilise, les étapes par lesquelles elle passe, les besoins qu'elle peut avoir en foncier, en financement et en ressources humaines, mais aussi d'adapter finalement notre vision et notre approche par rapport au développement peut-être d'une entreprise innovante, qui peut être innovante technologiquement, mais je pense qu'on l'a suffisamment dit lors de ces deux tables rondes, il y a aussi de l'innovation produit, d'usage, de service, d'organisation, de procédé, d'innovation sociale, d'innovation marketing et commerciale. Il existe plein de formes d'innovation. Il est vrai qu'aujourd'hui, on manque de méthodes d'analyse et de valorisation et des KPIs précis qu'on pourrait utiliser pour valoriser ces projets-là. Et donc ça fait partie d'un autre groupe de travail qu'on peut avoir aujourd'hui au sein du collectif pour fournir en fait des ressources aux fonds d'investissement et aux partenaires financiers pour qu'ils puissent mieux comprendre et adapter leur accompagnement aux projets qu'ils ont en phase 2.
Donc, finalement, je remercie tous nos intervenants d'aujourd'hui et j'espère vraiment qu'on pourra tous ensemble, parce que vous l'avez vu, il y a vraiment les acteurs privés, publics, les acteurs du financement, des acteurs de la formation professionnelle, des acteurs de l'immobilier, les acteurs publics, les collectivités, les métropoles, les régions, ont un vrai rôle à jouer pour réconcilier l'industrie et la finance au service de l'impact. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez co-construire avec nous. Merci. Merci beaucoup. Juste avant, parce que j'ai oublié de le faire, on a un partenaire très particulier à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, représenté par François Bouvac, c'est la Banque des Territoires. Il faut savoir que ce cycle renaissance industrielle n'existerait pas sans la Banque des Territoires. Et donc je souhaiterais leur adresser quand même un remerciement un peu spécial, surtout en ce début d'année. Et n'hésitez pas à les applaudir, parce qu'ils font un travail merveilleux sur les territoires, mais aussi auprès de nous. Maintenant, je vais céder la parole à Benjamin Saada, fondateur CEO de Fermat, cofondateur président d'Explicite, qui a été le lauréat montgolfier en 2015 par le comité des arts mécaniques, qui va à la fois nous parler de ses aventures passées et puis ce qu'il fait maintenant, et puis de sa vision un peu de l'industrie. Donc, je vous laisse la scène. Voilà. Enfin, où vous voulez. Je me mets où? Vous me dites juste. Là où vous vous sentez confortable, voilà. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si part, vous voulez. Nulle part. Bon, je m'assois avec vous si ça vous rassure. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité à faire un témoignage. Alors, je suis là en tant que témoin, donc je suis un peu forcé et contraint de parler de moi. Je vais surtout essayer de me concentrer sur les deux expériences professionnelles qui m'ont amené à fréquenter la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ma première entreprise s'appelle Explicite. Je l'ai créée quand j'avais 23 ans. C'est un fabricant de sièges d'avion qui a inventé, développé les sièges d'avion les plus légers au monde parce que il y a un avion, en fait, l'objet sert à transporter des gens d'un point A en point B. Et en fait, tout ce que transporte l'avion en plus ne sert à rien à la mission de l'avion qui est de transporter des gens. Et notamment, ce qui servait à rien, c'était de transporter le poids des vieux sièges d'avion qui étaient dans les avions. On a créé cette entreprise avec trois personnes, Vincent et Jean-Charles, et on a développé comme ça, on a inventé ces sièges, puis on a déposé tout un tas de brevets. On a monté un partenariat important avec une petite PME de Montauban, et puis on s'est mis à vendre nos sièges. La société a fait plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'export. La société a contribué aussi sur des projets avec Dassault à améliorer de quelques pourcents la performance des avions et a permis à la France de contribuer avec des centaines d'autres de fournisseurs, mais on a quand même cette fierté d'avoir permis à la France de faire des grands contrats à l'export, notamment au Japon. On est présent dans à peu près 200 avions. On est probablement numéro 2 ou numéro 3 dans l'industrie du siège d'avion pour l'aviation régionale et on est un acteur en devenir pour l'industrie du siège d'avion normal. Et c'est très important qu'on se développe parce qu'à chaque fois qu'on équipe un avion avec nos sièges, c'est 2 à 4% d'économie de CO2 qu'on obtient sans rien faire, à part changer les sièges. Le parcours d'une start-up industrielle créée en 2011 n'était vraiment pas évident. 2011, déjà, c'est le début des start-up en France. Et alors, les start-up industrielles, ce n'est pas encore le début, en fait. On est un peu à contre-cycle. Donc, ça a été effectivement un parcours assez intense de trouver des financements, de recruter des gens, de développer. Et récemment, notre dernier gros contrat, c'est avec Comac, qui est le fabricant d'avions chinois. Et donc, on va fabriquer à Montauban des sièges pour une part significative de la production des avions chinois de Comac. Et ces sièges sont fabriqués à Montauban et seront expédiés à Shanghai.
et on est vraiment très fiers de travailler dans ce sens-là. On a bien évidemment aussi des fournisseurs chinois sur d'autres problématiques, mais en tout cas, on a réussi à faire ça. Mais ça, c'est mon entreprise d'avant, pour laquelle, d'ailleurs, j'avais eu un prix Montgolfier. Voilà, et donc je suis très heureux, du coup, de revenir en ces lieux pour raconter un peu notre histoire. Mais voilà, il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai fait une découverte malheureuse, qui est de... Je me suis aperçu qu'en fait, un matériau qui s'appelle les composites en fibre de carbone, c'est un matériau très haut de gamme, qui est un matériau qu'on utilise de plus en plus, parce que c'est le matériau qui améliore les éoliennes, c'est le matériau qui permet le stockage d'hydrogène. Donc, plus on va stocker d'hydrogène, plus on va faire de l'industrie à l'hydrogène, plus il va y avoir de fibres de carbone. C'est le matériau qui était dans mes sièges d'avion. Et bien, ce matériau n'est pas recyclé. Il est intégralement enfoui. C'est la stratégie nationale française. Ou incinéré, par exemple. Ça, c'est la stratégie en Espagne. Donc, ce matériau, qui est un matériau en énorme croissance et qu'on utilise de plus en plus, a des conséquences sur la fin de vie qui ne sont pas maîtrisées. Et on l'utilise parce que c'est un matériau indestructible. Donc forcément, quand on l'enfouit ou quand on le brûle, si on l'enfouit, ça va rester là toujours. Si on le brûle, ça va générer une pollution énorme puisqu'il faut brûler un matériau indestructible, ce qui n'a pas de sens. Donc on a décidé avec ma nouvelle société qui s'appelle Fermat de s'attaquer à ce problème en faisant un recyclage vertueux de ce matériau. En fait, le recyclage, ce n'est pas une industrie qui a été créée pour des raisons écologiques. C'est une industrie qui a été créée en temps de guerre pour permettre de fournir des matières premières qui étaient indisponibles. Et c'est très important, ça fait une partie du recyclage. Et je suis toujours très heureux quand on recycle du bois et des choses comme ça, c'est mieux que de couper un arbre. Même si c'est bien d'utiliser des arbres, c'est quand même toujours un arbre qu'on coupe. C'est ce type d'industrie. Et du coup, cette industrie n'a pas forcément un bilan carbone qui est neutre, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que des matériaux recyclés aient consommé plus d'énergie et émis plus de CO2 que des matériaux neufs. Donc dans ce cas-là, il y a un choix à faire entre recycler et polluer. Donc chez Fermat, on a décidé de s'attaquer au problème du recyclage de ce matériau en fibre de carbone en prenant comme critère numéro 1 l'impact. C'est bien, c'est le thème d'aujourd'hui. Industrie et impact, on a pris comme premier critère de développement technologique l'impact. Peut-on recycler ce matériau en ayant un impact négatif, c'est-à-dire en remettant ce matériau en service, en consommant le moins d'énergie possible et moins que le matériau neuf. Et c'est ce challenge qu'on a réussi à faire depuis 13 mois. Et donc on a deux avantages. Le premier, c'est qu'on essaye d'apporter une solution à la problématique de la pollution carbone, qui est énorme, hein, voilà. Alors, ça représente 190 millions de tonnes de matériaux. Donc, en général, même pour moi, c'est impossible de comprendre ce que ça veut dire, 190 millions de tonnes. Donc, je suis désolé, je vais le transcrire en argent, parce que c'est plus simple. C'est 7 trillions, donc 7 000 milliards d'euros de matériaux qui vont être foutus à la poubelle ou incinérés dans les 50 prochaines années. Et là, tout de suite, on comprend l'ampleur que ça peut représenter au niveau mondial. Et donc, on recycle ces matériaux. On a créé la société il y a 13 mois. Et nous, on a décidé d'avoir une ambition mondiale. Voilà, ce problème nous tient vraiment à cœur. On a une technologie qui a une vraie vertu sur le plan du CO2. Et donc, on veut l'attaquer au niveau mondial. Donc, on a fait des levées de fonds. Et on a signé un très gros contrat avec une entreprise américaine qui est leader dans le mondial et qui est leader dans la fabrication de fibres de carbone. Et on va s'occuper de recycler leurs déchets au niveau européen. Et on a fait une analyse assez rationnelle et on s'est décidé de s'installer à Nantes, où on a récupéré un site qui fait à peu près 5000 m². Et c'est un site qui avait fermé, puisque à cause du Covid, il y avait eu des conséquences industrielles et le site n'était plus en service. Donc on a récupéré ce site. On est content de dire qu'on a recyclé ce site. Et on a récupéré aussi les salariés du site qui n'avaient pas encore retrouvé de travail dans le but de les former pour commencer à développer notre nouvelle activité. Donc
Fermat, aujourd'hui, son potentiel de création ou d'économie de CO2, c'est à peu près les émissions de CO2 de 7 milliards de personnes pendant un an. Bien sûr, on a 50 ans de boulot de Fermat, c'est un an gagné pour la planète en termes d'émissions de CO2. On n'arrive pas, les objectifs 2030, moi quand j'ai commencé c'était 2030, après c'est passé de 2050, les objectifs d'économie de CO2, maintenant c'est 2070, en fait on n'arrive pas à les atteindre par des méthodes traditionnelles. Donc si on veut pouvoir atteindre les objectifs à un moment ou à un autre au niveau européen ou au niveau des Nations Unies, en fait c'est des disruptions technologiques comme Fermat qui peut-être vont offrir un an de plus. Peut-être qu'il y a 10 autres sociétés comme Fermat actuellement sur Terre qui peuvent apporter 10 ans de plus, puis peut-être qu'il y en aura encore d'autres d'ici là. Et donc ça va permettre de donner un coup de souffle pour laisser les plus grands groupes industriels prendre le temps de développer des solutions traditionnelles qui vont s'améliorer dans le sens de l'impact. Et voilà. Donc moi, je crois vraiment déjà à la combinaison entre les solutions des grands groupes qui ont leur rôle à jouer, mais les startups ont leur rôle à jouer. Et quand on rate un déclic technologique, c'est perdu pour toujours. On parle beaucoup, par exemple, de tout ce qui est taxi volant, les taxis électriques. Il y a des sociétés aux États-Unis qui sont en train d'émerger. Il y a des sociétés en Allemagne qui sont en train d'émerger. Il y a des petites sociétés qui commencent un tout petit peu à émerger en France, mais on a raté le déclic, c'était il y a 10 ans, et on n'est pas dedans. Là, c'est un peu pareil. Le recyclage, c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a plus de matières premières. Il y a des enjeux écologiques énormes. Et il y a des processus traditionnels qui ne sont pas adaptés pour répondre aux nouvelles questions. Ces processus-là doivent continuer d'exister, sinon on n'aurait plus de verre. Ils doivent continuer à s'améliorer. Ils vont peut-être trouver leur façon de répondre à des problèmes à leur manière. Mais il y a un vrai enjeu sur la création de matériaux. Ces challenges-là sont attaqués un peu partout sur Terre. Et nous, on espère que Fermat, on va réussir à creuser notre trou et développer réellement notre technologie. Voilà. Et alors, l'autre avantage qu'il y a pour Fermat, et tout l'intérêt qu'on a à développer notre système, c'est que le recyclage, par définition, c'est local. Je ne vois pas comment on va délocaliser le recyclage, dans la mesure où les coûts de transport et le problème de la collecte seraient tels que la réalité, c'est que c'est un secteur complètement local. Et en faisant un recyclage qu'on appelle vertueux, on ne recrée pas un matériau vierge, on crée un nouveau matériau. Je ne vais pas vous donner une surprise, notre nouveau matériau est moins cher que le matériau de base, puisqu'il vient de déchets. Donc, on crée un nouveau matériau qui est moins cher. Donc, les gens qui vont l'utiliser vont pouvoir eux-mêmes en tirer des avantages, qui est de pouvoir utiliser de la fibre de carbone, qui est un matériau très très haut de gamme, dans leurs produits à moindre coût, et donc peut-être aussi générer des nouveaux produits, des nouvelles percées technologiques françaises. Voilà. Un dernier point pour ça. J'ai entendu parler des grands... est-ce que la France est capable de créer des grandes entreprises, des grands leaders, etc., des startups à succès ? Oui, on l'a fait. En fait, on le fait depuis 20 ans. C'est juste que parfois, on oublie. Je ne vais pas faire la liste. Elle serait très longue, mais Vente Privée est un énorme acteur européen. Voilà. Moi, je peux considérer que c'est un Amazon français. C'est différent, mais à l'échelle européenne, c'est énorme. Et tout un tas d'acteurs... comme ça, on peut parler de Free, on peut parler des boîtes plus actuelles, des Doctolib, des Alan, etc., qui sont en train vraiment au niveau européen de prendre des positions très très fortes. Et donc, moi je suis persuadé que si la France est tout à fait en mesure de créer les grands leaders de demain, on l'a su le faire il y a 40 ans, c'est l'industrie aéronautique à peu près dans sa totalité, et il est très très important qu'on continue à le faire pour remplir les grands challenges à venir. Donc voilà, c'était mon témoignage. J'espère que j'ai pas été ni trop long ni trop rapide. Voilà, et puis merci beaucoup alors pour votre attention. Merci beaucoup Benjamin. Non, c'était parfait. C'était 10 minutes pile. On pouvait pas mieux faire. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact, qui est aussi partenaire de cet événement, pour faire la conclusion. De cette demi-journée.
Merci, merci Anaïs. Alors c'est un vrai, je ne sais pas comment mettre non plus, bon, je vais rester comme ça. C'est un exercice très compliqué, la conclusion, parce que d'abord j'arrive après 2h45 de débat, donc il va falloir que je fasse vite, synthétique, et en plus il a fallu quand même que j'anticipe un petit peu ce qui a pu être dit pendant ces 2h45. Alors j'ai bien gratté, hein, j'ai noté, et je suis assez contente parce que si je ne suis pas mentaliste, les 6 mots clés, les 6 concepts clés que je voulais un peu partager avec vous en guise de synthèse ont bien été largement prononcés par nos intervenants cet après-midi. Alors, exercice de rigueur, je vais revenir très brièvement sur ce que fait French Impact que tout l'auditoire ne connaît pas forcément. French Impact est issu d'une initiative gouvernementale souhaitée par le président de la République pour en fait être une sorte d'équivalent, on va dire, de la French Tech pour l'innovation sociale et environnementale. Et en fait, nous, on fait 3 choses. Un, on identifie des projets à impact social et environnemental sur tous les territoires, dans des champs qui vont être de la transition, donc l'industrie circulaire, l'agroécologie, les mobilités douces et plein d'autres. Deuxième chose, on facilite l'accès au financement pour ces projets et notamment avec un programme qui s'appelle Impact Finance. Donc on a des partenariats avec 31 fonds d'impact investing. Donc notamment, on est partenaire de Banque des Territoires, qui non, n'est pas partout, mais partout où il faut être. Et avec, bien sûr, Founder Future, Sarah Korn sous mes yeux, avec Demeter également. En fait, on cherche aussi, et j'espère qu'on va contribuer à être une partie de la solution, à donner à voir tout un continuum sur la chaîne des financeurs pour les projets à impact. Et donc à notre prochaine rencontre qui a lieu à Valence, Romans-sur-Isère, à la fin du mois avec notre partenaire, bien sûr, vous l'avez compris, Christophe Chevalier, on va faire venir aussi des fondations, des business angels, du crowdfunding, des fonds territoriaux et tous nos partenaires font Impact Investing. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait connaître ces projets aux administrations et aux fonctionnaires pour faire sauter des verrous réglementaires qui peuvent entraver les initiatives des projets parfois, mais aussi pour inspirer les politiques publiques. Alors je vous ai dit 6 concepts, 6 mots-clés pour un peu conclure tous ces enjeux de financement de l'industrie à impact. Il y a un premier mot-clé, c'est beaucoup Arnaud Marion qui l'a prononcé, c'est transformation. Alors transformation, on l'a dit, c'est quelque chose de clé pour la mutation, l'évolution de l'industrie existante, mais aussi pour créer de nouvelles industries. Et là, c'est tout l'enjeu des start-up, hein, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième table ronde. Et je voudrais quand même revenir sur la définition de la finance à impact. Il y a une organisation qui a été mandatée par Bercy, qui s'appelle Finance for Tomorrow, pour créer un groupe de place pour justement fédérer en fait, les visions, les pratiques de l'impact investing, parce que c'est un mot qui est très à la mode. Il y a aujourd'hui, je crois, 85 fonds à impact qui sont recensés par France Invest, mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière ? Donc, la définition officielle, elle fait une ligne et demie, donc je vous la lis. La finance à impact est une stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant la preuve de ses effets bénéfiques. Alors, on pourra parler d'ailleurs de la preuve dans une autre conférence et tout ce qui est lié à la mesure d'impact, mais là, on n'a pas le temps. Donc, transformation, c'est mon premier mot-clé. Et du coup, pour définir aussi un petit peu ce qu'est cette industrie à impact, moi, je vous propose 3 mots-clés que j'ai beaucoup entendus. Industrie circulaire, territoire et innovation. Alors, industrie circulaire, je ne sais pas pourquoi, je n'y vois pas un signe particulier, mais c'est beaucoup nos intervenants féminins qui en ont parlé, Éléonore, bien sûr, Éléonore Blondeau, Anne-Sophie Kesticker et Sarah Korn. Donc, je crois qu'on l'a dit hein, plusieurs fois, l'industrie circulaire, en fait, c'est une manière de faire qui peut s'appliquer à tout type de produit, même à une poignée de porte. Et même si on a eu un exemple formidable avec Benjamin Saada, ça ne se limite pas à ce qui est recyclage, mais ça doit enclencher une démarche beaucoup plus systématique qui va dépasser l'unité de production, donc qui va concerner l'éco-conception, l'approvisionnement diversifié et plus local, la distribution, et en fait, à prendre en charge à chaque étape de le développement des projets. Et je voudrais quand même citer une récente étude de l'INEC, de l'Institut National de l'Économie Circulaire, auprès de leurs 70 entreprises adhérentes, qui dit « Tant que l'industrie ne se posera pas la question de la gestion des ressources,
elle ne pourra pas pleinement se déployer. Et je pense là aussi, je crois que c'est Sarah qui le disait, que c'est une opportunité pour la France qui est à l'avant-garde avec, au niveau législatif, avec la feuille de route de l'économie circulaire, avec la loi AGEC, etc. Donc j'ai dit un autre mot extrêmement important pour nous, pour, j'ai l'impression, tout l'auditoire, et en tout cas pour le French Impact, c'est le mot « territoire ». Et là, bien sûr, il y a Albin Jourda qu'on a parlé dans le fonds Déméter, le nouveau fonds qui lance. Bon, Banque des territoires, on n'en parle pas. Il y a Nicolas Payancier avec Figeac, hein, qui est aussi un territoire French Impact. Et Christophe, bien sûr, qui est tellement emblématique des startups de territoire et de ce qu'on peut faire aussi pour les écosystèmes territoriaux. Alors là, il nous semble qu'il y a quand même un changement de mentalité, notamment au niveau des élus, des collectivités territoriales, que la crise, vous l'avez dit, hein, a joué un rôle aussi dans cette évolution. Aujourd'hui, le Made in France, c'est tendance. Bah, le Made in France, il va bien falloir le fabriquer quelque part sur le territoire français. Et la crise a quand même conduit les élus à prendre conscience du rôle structurant de l'industrie et que ça pouvait rendre leur territoire attractif en termes d'emplois générés. On en a un petit peu parlé à la fin, hein, parce qu'on sait que ce sont des emplois qui sont plutôt qualifiés et qui donnent des perspectives aussi aux collaborateurs. Et aussi, ça façonne le paysage, bien évidemment. Donc, nous, le vœu qu'on fait, et je pense que l'exemple de Romans-sur-Isère est extrêmement attractif pour ça, bah, c'est que l'usine nouvelle génération et tout l'écosystème qu'elle va générer va devenir très attractif pour les élus et peut-être plus que des entrepôts de grosses plateformes, même s'il faut aussi des entrepôts de grosses plateformes. Alors j'ai dit troisième mot-clé pour définir l'industrie à impact, innovation. Là c'est Guillaume Mortelier qu'on a beaucoup parlé, même si nombreux d'intervenants en ont parlé. Donc il y a les deux types d'innovation et on ne va pas se limiter à l'innovation de rupture et de haute technologie qui est nécessaire et qui requiert un capitalisme plus patient. Il y a aussi des innovations incrémentales dans les procédés, dans l'organisation, le logistique, la pro, l'éco-conception, etc. Vous avez donné des exemples. Moi, je voudrais peut-être juste citer les travaux très intéressants d'une organisation qui s'appelle SoScience de Mélanie Marcel, qui veut refonder les pratiques et la recherche de la recherche et de l'innovation, pardon, au service de l'impact. Hein, Mélanie n'était pas disponible là pour participer à nos débats, mais ça aurait été tout à fait intéressant. J'ai un cinquième mot-clé qui était un peu en sous-jacent, en transversal, c'est pouvoir public. Quand même, le cycle Renaissance industrielle est parrainé par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il y a le programme Territoire d'industrie hein, qui permet de créer plus de liens entre élus industriels. Il y a le plan France 2030 dont Éléonore, tu parlais, on attend plus de détails par rapport à sa mise en place. Donc on voit bien que l'État, il est à la fois investisseur, facilitateur notamment vis-à-vis de l'accès au foncier que vous avez souligné, mobilisateur et on l'espère de plus en plus ambassadeur, comme on a pu créer, il ne faut pas les opposer, mais comme on a pu créer un engouement pour la tech, mais formidable, faisons la même chose pour l'industrie à impact. Sixième mot-clé, donc c'est mon dernier, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, c'est écosystème. Alors écosystème, François Bouvac, vous en avez parlé, Damien Py en a parlé, Christophe Chevalier en a parlé, c'est extrêmement important. Écosystème, on peut dire qu'il y a à la fois la question du continuum de la chaîne des financeurs, il y a l'écosystème financier, mais bien au-delà de ça, on voit qu'il y a quand même une forme de condition des consensus qui sont réunis, puisqu'il y a les pouvoirs publics qui s'emparent du sujet de la réindustrialisation, il y a les élus locaux, il y a une génération de jeunes gens aussi, donc même s'ils ne sont pas encore assez nombreux, on voit qu'il y a de l'envie, il y a quand même des métiers qui sont, voilà, ça, l'industrie est attractive, il y a les citoyens, et on le souhaite, de plus en plus d'investisseurs privés. Et ça a été prononcé sous le terme de convergence ou de collaboration, nous on aime bien dire coopération au French Impact. C'est vraiment la condition pour sortir un peu du mantra de réindustrialisons, pour réindustrialiser avec l'industrie à impact, hein, parce qu'il faut une industrie quand même transformée, il faut casser les silos. Il y a une complexité des enjeux et on voit bien qu'il y a des implications à la fois culturelles en termes d'image, au niveau éducatif, on a parlé de ce que vous faites avec l'AFPA à Romans-sur-Isère,
Il y a des implications technologiques, financières, politiques. Donc si on ne coopère pas, si on ne casse pas ces silos, effectivement, ce sera compliqué de passer du discours à l'action. Donc pour nous, si l'impact est une finalité et la finalité que notre modèle économique doit davantage investir, la méthode, c'est la coopération, hein, et ça a été prouvé par des économistes à Harvard que la stratégie de la coopération est toujours la stratégie gagnante. Donc j'en arrive vraiment à ma conclusion finale, coopération à tous les échelons, local, national, européen, international. Local et national, on a déjà parlé. International, comment ne pas citer les objectifs du développement durable et qui donnent un cadre aussi pour l'impact et notamment pour l'industrie à impact. Et rappelons que la France est dotée d'un agenda spécifique qui est l'agenda 2030. Et européen avec les échanges en cours sur la taxonomie, sur le nouveau reporting CSRD, si je ne me trompe pas dans l'acronyme. Et donc je voudrais terminer en citant Thierry Breton, donc le commissaire européen, dans le JDD d'hier. La transition écologique entraînera une révolution industrielle d'une ampleur inédite. Eh bien nous, on y croit, cette révolution sera celle de l'industrie à impact environnemental et social. Voilà pour la conclusion. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, trois choses avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez hâte de partir. Premièrement, enfin quatrièmement, une excuse parce qu'il n'y a pas de cocktail, les contraintes sanitaires nous obligent à les annuler et je sais que c'est aussi ces moments de partage que les gens viennent assister aux conférences. Et sur les trois points, premièrement, la société d'encouragement va sortir une tribune dans les semaines à venir autour de propositions consacrées à la renaissance industrielle. Elles seront diffusées sur le site Renaissance Industrielle et sur les réseaux de la société d'encouragement, donc je vous annonce, conseil de suivre ce site et les différentes newsletters. La deuxième chose, c'est je vous invite à découvrir un peu toutes les synthèses des différentes conférences sur le site Renaissance Industrielle. Et la dernière chose, c'est que le cycle Renaissance Industrielle suit quand même un peu le temps politique et donc va se retrouver contraint par la période de réserve dans laquelle vont rentrer un certain nombre de nos partenaires financeurs. Donc nous reprendrons les conférences en septembre. Toutefois, il y a en permanence des activités dans cet hôtel. Et pour avoir toute l'actualité de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, eh bien, c'est le site industrienationale.fr. Je vous remercie encore pour votre attention, d'être venu et d'avoir respecté les règles sanitaires. Au plaisir de vous revoir très prochainement. Bonne journée.